Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Nuria TV. Ce soir, on a la chance d'accueillir une nouvelle fois Jean-Pierre Petit sur notre antenne pour la dernière émission, pas la dernière émission en direct, mais la dernière émission thématique en tout cas de cette année. Et je suis très très heureux de le retrouver. Ce soir, nous allons parler de cet ouvrage, le Métaphysicon, le tout dernier ouvrage. Vous allez voir, cette chose-là va très 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 loin. J'espère réussir à faire ressortir l'essence de ce livre en interrogeant Jean-Pierre ce soir sur Nuria. On va essayer de faire au mieux. En tout cas, je suis très content de vous retrouver. Les Nuréens, soyez les bienvenus sur votre média, et Jean-Pierre Petit, soyez le bienvenu également. Vraiment, vous êtes ici, chez vous. Super, très content, voilà. Donc Jean-Pierre, ce soir, on va déjà, pour commencer, très joli gilet, qui nous rappelle des heures d'espoir, on va dire. J'ai mis mon gilet jaune. Non mais maintenant, je pense que je vais le mettre dans les vidéos, parce qu'il faut qu'il y ait des scientifiques avec gilet jaune, parce qu'on a un peu oublié tout ça, franchement. Et moi, je me sens solidaire de tous ces braves gens que j'ai retrouvés autour des ronds-points, avec des retraites qui se cassent la gueule, au chômage, des petits employés mal payés. Franchement, je me sens solidaire de tous ces gens-là. Je trouve que c'est épouvantable ce qui s'est passé. Ces gens-là, on les a gazés, on les a éborgnés, vous savez aussi bien que moi. Et c'est vrai que l'actualité 2020 a un peu chassé l'actualité 2019. On a l'impression que les gilets jaunes, c'est déjà loin. Donc merci de nous rappeler au bon souvenir de ce mouvement-là. Pour moi, c'est pas oublié. Ce soir, Jean-Pierre, on va parler de ce Métaphysicon. On avait déjà eu l'occasion de vous recevoir sur Nuria pour parler du modèle Janus, de cet univers, pas un univers gémellaire, mais d'un univers à deux versants qui se fondaient en un, constitué de masses positives, de masses négatives. Avec ce modèle cosmologique, vous expliquiez notamment les voyages interstellaires, du moins leur faisabilité, et tout un tas de choses qui en découlaient. Avec ce livre, le Métaphysicon, et cette prolongation du modèle Janus, puisque je pense qu'on est dans la prolongation de ces travaux-là, on va vraiment, vraiment plus loin, et c'est ce qu'on va essayer modestement, pour ma part, de décortiquer ce soir. La première question... Et après, c'est une partie qu'on va plus ou moins mettre de côté ce soir, c'est l'aspect mathématique. Ce métaphysicon s'appuie sur un modèle mathématique et n'est pas que spéculation. Mais vous savez, le modèle Janus aussi s'appuie sur une structure mathématique très particulière. Vous savez, j'ai travaillé 20 ans avec un type absolument génial qui était le mathématicien Souriau. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. L'idée clé de Souriau, c'est quoi? C'est quand je connais le contexte géométrique dans lequel sont les choses, c'est-à-dire l'espace qu'on considère, à ce moment-là, on peut déterminer ce qu'il contient. Et justement, c'est à partir des idées de Souriau qu'on fait apparaître le fait qu'il y a nécessairement des masses positives et des masses négatives. Ça, c'est le premier volet. Alors, le deuxième volet, je sais que Souriau et moi, on avait élucubré pendant des années pour essayer de trouver un modèle métaphysique. Parce que Souriau, il faut savoir une chose, c'est que c'était la métaphysique qui l'intéressait, comme Grothendieck d'ailleurs. Tous ces scientifiques, ils ont des vies secrètes que personne ne peut imaginer, quoi. Et alors, finalement, j'ai trouvé la solution du problème. Et en fait, en prenant ce qu'on appelle un espace complexe, eh bien, à ce moment-là, on voit apparaître quatre types de masses, et il y a ces masses imaginaires. Et s'il avait été vivant, il est chouette, on a trouvé. Voilà. Alors maintenant, ça a été publié dans une revue. Maintenant, Nathalie de Berg bataille depuis un an pour faire publier ce travail. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est que quand on dit « vous avez publié ce travail », c'est pas que ce soit accepté ou refusé, elle n'a pas encore réussi à faire qu'une revue accepte de considérer le travail. Moi, je viens d'avoir un article en 4 mois qui a fait le tour de 4 revues et à chaque fois, les gens ont botté en touche. Donc, ce qu'on va faire, la base mathématique du Métaphysicon, je vais la mettre en PDF et en vidéo. Je vais l'expliquer. Alors, ce sera une vidéo, encore une fois, qui ne sera pas pour le grand public. Une vidéo qui sera pour les étudiants de maths, etc. Mais là, je vous assure que ça déménage. C'est élégant, c'est formidable. Alors, il y a aussi une chose, c'est que cette idée-là, comment dire, ONU, hein, je peux le dire. Vous pouvez tout dire, Jean-Pierre. Ici, il n'y a pas de filtre. ça part d'un coup de téléphone à 3h du matin. 2016 Et bien sûr, avec un petit conseil, pourquoi n'essayez-vous pas d'appliquer la méthode Souriau à l'espace de Minkowski complexe? Putain, j'ai fait un saut en l'air et je me suis mis au boulot, aux aurores, le calcul était terminé. Ce sont des idées venues d'ailleurs. Et en fait, ça signifie quoi? Le message du Métaphysicon, le sens de la démarche, le plus important, c'est qu'actuellement, nous vivons dans un monde où nous sommes pulvérisés par nos croyances. Il y a les croyances religieuses, c'est épouvantable, je n'ai pas besoin de faire un dessin.
On vit exactement ce qui se passait au XVIIe siècle avec les guerres de religion, hein, entre les catholiques et les protestants. C'est effrayant. Bon, maintenant, on a les musulmans, on a les ceci, on a cela. Aux Indes, vous avez les hindouistes et les musulmans qui s'étripent. Tout ça à cause de façons de considérer le monde. Donc, le métaphysicon, ce sont des outils de réflexion. Et la conclusion, c'est réfléchissez à vos croyances. Ça ne veut pas dire que ce que vous croyez, ça n'a aucune base. Parce que être agnostique, c'est-à-dire celui qui ne croit pas. Non, non, pas du tout. Simplement, ces croyances, c'est un petit peu comme quand vous regardez, vous savez, un kaléidoscope. Là, vous le prenez, puis vous le secouez comme ça, et vous avez une certaine image. Puis après, vous recommencez, vous en avez une autre. Eh bien, la religion, c'est ça. Vous voyez une réalité métaphysique sous un angle, sous un autre, qui est conditionnée par... Mais il y a un fond réel. La solution n'est pas de dire, voilà, je suis scientifique, les gens religieux, ça n'existe pas, tout ce qu'on vous apprend, c'est de la bêtise, après la mort, il n'y a rien, et d'ailleurs, nous sommes simplement des ensembles de particules qui obéissent aux lois de la physique, point barre. C'est pas vrai. Une vision tous les boulons de l'être humain. Voilà, bien sûr. Hein. Et puis, ça, vous avez des crétins qui vous diront, vous savez, un jour, on fera des robots qui sont dotés d'une conscience. Ça, c'est vraiment... Ah, voilà, Laurent Alexandre et tous ces gens-là. Vous le suggérez sans le mentionner dans le livre. J'ai très bien reconnu ce célèbre urologue qui a des discours, permettez-moi de le dire, qui prêtent à vomir. À vomir. Mais, parce que, vous savez, qu'est-ce qu'on trouve derrière tous ces gens-là? Mais c'est la peur de mourir. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Regardez un petit peu, il y a des types qui ont investi des fortunes en pensant qu'on va réussir à cartographier le cerveau humain. C'est-à-dire, vous voyez, hein, quand vous allez mourir, on va dire, mais écoutez, c'est pas difficile, j'ai une clé USB, eh bien, tout mon mental est dedans. Quand je serai mort, eh bien, alors qu'est-ce qu'on fera de cette clé USB? Ben, peut-être on trouvera le moyen de la mettre dans le cerveau d'un autre. Mais le mieux, ce serait, on fait des greffes de cœur, on fait des greffes de foie, on fait des greffes de ceci, on va peut-être faire une greffe de cerveau, vous imaginez? Alors, il y aura des donneurs. Hein, on trouvera quelqu'un qui donnera son corps parce que pour une grosse somme d'argent, comme ça, sa famille sera hors du besoin. À ce moment-là, un vieux con pourra mettre son cerveau dans un corps jeune, comme ça. Mais si c'était faisable, ça se ferait. Il y a des pays où on retrouve des gosses à qui on a arraché les yeux pour les vendre. Vous savez, tout ça. Oui, ah ben on sait qu'il y a du trafic d'organes partout sur la Terre, dans les pays pauvres et de manière industrielle, parfois, malheureusement. Voilà, mais je veux dire que le trafic de corps, un jour, il y aura des trafics de corps. C'est effrayant. Alors avec ce métaphysicon, bah vous annoncez la couleur, puisque sur la pochette, on peut le voir, nous avons une âme qui survit après notre mort, cela se démontre scientifiquement. Déjà, ouais. Un scientifique qui s'attaque à la thématique de l'âme, c'est du pas vu, puisque, vous l'avez dit, hein, la science en général botte en touche. Ce qui est très surprenant dans le livre, mais... qu'on s'immerge dans le livre et puis qu'on va jusqu'au bout, on n'est plus surpris du tout, mais c'est régulièrement, vous faites des références aux grandes traditions ésotériques pour montrer à quel point votre modèle, ce modèle métaphysicon, eh ben, éclaire sous un jour nouveau ce qu'on retrouvait déjà avec d'autres mots, d'autres modes d'expression dans les traditions ésotériques. Absolument. Alors cet univers, on va essayer de... Donc, on l'a dit, ce soir, on va pas s'attaquer au versant mathématique parce que moi, j'ai pas le niveau, donc je vois pas comment je pourrais vous donner le change. Et j'imagine que 90% des gens qui nous écoutent sont un peu comme moi. Si on commence à faire des équations, on va tous saigner du nez. Ça sera pas forcément une bonne chose en fin d'année. On va s'appuyer sur les dessins que vous avez mis dans le livre pour expliquer en gros en quoi ce nouveau modèle, qui découle encore une fois du modèle Janus, eh ben permet de répondre à tout un tas de questions que nous, sur Nuria, on se pose et que les Nuréens se posent régulièrement. Les vies antérieures, la vie après la mort, la médiumnité, et j'en passe. On va faire un petit tour de tout ça, et vous allez voir que ce métaphysicon n'est pas piqué des hametons, si vous me permettez la rime. Hop, il y a Bernard qui nous dit, j'en suis à la page 64, donc du métaphysicon, sur les états de conscience, et il faut déjà que je voie mon psy. Non mais ce livre va vous amener à réfléchir. Moi pour ma part les amis, je l'ai lu deux fois, honnêtement, je sais que je le dis souvent, parce qu'en général quand j'invite des gens sur cette antenne, c'est que j'ai apprécié leur livre, sinon quand le livre me plaît pas, gentiment et poliment, j'ai conduit l'invité. Celui-là je l'ai déjà lu deux fois, et je pense qu'il va falloir une bonne dizaine de fois pour le digérer. Pas parce qu'il est compliqué, mais parce que ce qu'il met à jour, c'est une révolution par rapport, encore une fois, aux questions qui nous intéressent. On va partir au commencement. Je pars sur la première vignette. Déjà, une représentation dessinée de cet univers qui comporterait quatre types de masses.
encore une fois, on n'est pas dans un univers parallèle, pas dans un autre versant de l'univers. C'est le même univers, mais qui mélange quatre masses, mais sur deux mondes qui s'ignorent. Nous, la science actuelle, c'est ce qui est représenté sur le dessin, là, le numéro 1, par le monde physique. C'est ce que... Oui, il est à l'écran. C'est ce à quoi la science, c'est ce à quoi la science actuelle s'intéresse, ce fameux monde physique. Et encore, pour eux, les masses négatives, c'est pas quelque chose qui est rentré dans les... Pas encore gagné. Mais je veux dire que dans cette image, c'est une image didactique, c'est fait pour essayer de, comment dire, de suggérer cette réalité. Hein. Donc, dans un plan horizontal, j'ai représenté des objets avec des plus et des moins. Ça, c'est les masses positives et les masses négatives. Et puis, vous avez les masses imaginaires. Et en fait, on verra plus tard, quand on voit le corps de l'être humain, c'est que tout ça, c'est dans le même endroit. Par exemple, quand on demande où est votre âme, mais elle est autour de vous, elle est là. C'est ça qui est intéressant. Oui, tout est fusionné en un seul monde, finalement. Là, on est dans une représentation, mais toute la réalité de... pour utiliser un mot un peu ésotérique, si on veut une approche holistique de notre réalité, c'est tout ça. Ouais. Et alors, l'image, en plus, qui s'impose, c'est celle de l'informatique. Quand vous prenez un ordinateur, c'est un objet réel, avec des atomes, etc. Mais il y a un soft, et le soft est dedans. Mais il n'est pas de même nature, vous voyez bien. Le soft, ce sont des bits. Alors, moi, je me rappelle, quand j'avais introduit la micro-informatique à la fac de lettres, il y avait un vieux professeur qui arrive à un conseil d'université qui dit « Il y a une chose que je voudrais peut-être qu'on m'explique, qu'est-ce que c'est qu'un bit ?» On ne peut pas vous le montrer entre le pouce et l'index. C'est vrai. En ce moment, j'ai une image de vous qui est générée par l'ordinateur. Mais tout ça, c'est des zéros et des uns. C'est fabriqué avec des bits, c'est extraordinaire tout ça. Donc il y a toute une structure soft, et on pourrait dire que le psychisme, c'est le soft de l'être humain. Votre âme, c'est votre soft, ben oui. Et c'est cette partie qui correspond aux masses imaginaires. Hein, et regardez par exemple, vous avez un ordinateur, tout d'un coup, vous dites, nom de Dieu, il va partir en carafe, ça déconne, les touches ne marchent plus. Ben, bon, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je vais le siphonner, je vais mettre sur un autre. D'accord? Vous prenez un DVD ou un clé USB, vous chargez tout ce que vous devez charger, et hop, vous mettez ça sur un autre disque dur. Est-ce que vous vous rendez compte, en faisant ça, et après, le corps de cet ordinateur, vous allez le jeter. Il n'a plus de soft, il n'a plus d'intérêt, il n'a plus d'âme. C'est ça. C'est la même chose pour le monde du vivant. Exactement. De notre réalité. Alors, on va repartir au commencement, puisque ce métaphysicon, il répond aussi à la question de Dieu, et on y viendra un peu plus tard. Donc, le commencement, et là, un schéma très simple, on revient sur ce pan qu'on appellera le monde physique, et là, sur le croquis numéro 2, on a un monde qui est uniforme. Alors, il est gris, parce que, si vous voulez, dans une histoire comme cela, je vois que, pour une image plus loin, j'ai dit que les masses positives étaient blanches et que les masses négatives étaient noires, par exemple. Donc, vous voyez, au départ... Ces masses positives et négatives, imaginaires et réelles, elles sont mélangées de manière uniforme et tout est gris. Donc il n'y a pas de structure. Et c'est vrai que quand vous regardez, quand vous remontez dans le temps avant le Big Bang, enfin après le Big Bang, quand vous êtes à un centième de seconde, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de molécules, il n'y a pas d'atomes, il y a que des protons, des neutrons qui se promènent, mais on ne peut pas appeler ça une réalité. Puis en plus, c'est complètement homogène, donc c'est gris, voilà. Alors, on passe à l'image suivante, hein, l'image 3. Donc là, c'est l'anosphère. C'est le monde métaphysique, il est pareil. Il est pareil, c'est-à-dire que dans ce monde métaphysique, il n'y a pas de structure. Et c'est normal, l'univers ne pense pas, il n'éprouve pas, il n'a pas de sentiments, il n'a pas de souvenirs, il n'a pas de psychologie, il n'y a pas d'objet à quoi penser. Alors ça, c'est une idée philosophique superbe, quoi, pour un philosophe. Et vous utilisez ce terme nosphère, qui est aussi relativement connu dans certains milieux. Pourquoi utiliser ce terme nosphère pour représenter, pour donner un nom à ce monde métaphysique? Bah, parce que justement le mot grec correspond, je ne sais plus ce que veut dire exactement nos, mais enfin c'est le monde de l'esprit. C'est le monde de l'esprit, c'est le monde spirituel, voilà, donc c'est ça, c'est ce monde métaphysique, quoi. Ben oui, le monde métaphysique, quoi. Il y a un monde physique et un monde métaphysique. Donc, il n'y a pas de mot pour... C'est quoi le monde de la physique? C'est le réel, alors l'autre ce serait le métaréel, on n'a pas de mot pour dire ça. Je dirais la matière et l'esprit. Oui, la noosphère c'est bien, parce que l'esprit c'est très personnalisé, hein. On pense qu'il y a des esprits, alors que là c'est la noosphère. Quand vous prenez
l'univers dans son état primitif, comme ça, quand il n'y a pas encore de planète, ce n'est pas le monde de l'astronomie, l'astrophysique, il n'y a pas d'astrophysique, il n'y a rien à regarder. C'est, voilà, vous savez, le mot hébreu, c'est le tohu-bohu. Hein. Le tohu-bohu, c'est l'état de l'univers avant la création. C'est en D'accord. blague, c'est dans la Bible. D'accord, j'avais un journal dans mon lycée qui s'appelait le Tohu-Bohu, j'ai jamais fait ce rapprochement, j'en apprends une. Justement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avant que, dans la Torah, avant que l'univers soit créé, il y a le Tohu-Bohu qui est aussi considéré comme un grand désordre. C'est pour ça que vous avez appelé ce truc le Tohu-Bohu, parce que le Tohu-Bohu, dans le langage populaire, c'est quand il y a du chahut. Hein, c'est le chahut. Alors que là, il n'y a pas encore, puisqu'on est dans une homogénéité parfaite. Oui, mais enfin, donc c'est turbulent, quoi. Moi, je disais, en prenant le Legotron, que la situation était chronogène, le temps ne demandait qu'à apparaître. D'accord. Bon, enfin, il n'y a pas d'histoire. L'histoire, c'est avant le lever de rideau cosmique, voilà. Alors là, l'histoire s'enclenche, on passe sur la vignette 4, là on revient sur un plan du monde de la physique, les masses positives et les masses négatives commencent à se dissocier les unes des autres, on voit une organisation qui commence à pointer le bout de son nez. Quel est le principe qui fait qu'on commence à avoir un début d'organisation et voir des masses positives se rapprocher de leurs sœurs et des masses négatives se rapprocher de leurs copines? Ah, c'est ça, c'est que les masses positives s'attirent entre elles, les masses négatives s'attirent entre elles et les masses positives et négatives se repoussent. Alors ça, ce Vignette 4, c'est le monde de Janus. C'est-à-dire que là, vous avez la structure à grande échelle de l'univers. Alors, qu'est-ce qui se forme? Les taches noires, comme ça, c'est les conglomérats de masse négative. C'est le Great Repeller, justement, de l'astrophysique. Puis alors, les parties blanches, eh bien, c'est la masse positive qui, elle, est confinée dans une sorte de structure lacunaire. Voilà. Alors, il va se passer la même chose dans la noosphère. Et après, évidemment, je vois que la vignette 5, vous avez tout de suite mis un homme. Bon, hein. Mais avant. Mais on va y venir après à l'homme. Il y a deux, trois trucs à expliquer avant, je crois. Bon, d'accord. Ah oui, mais moi, la vignette 5, alors vous sautez, quoi. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a certaines idées qui, à mon avis, n'ont pas forcément de vignette, mais qui sont importantes pour comprendre certains concepts que vous développez au début du livre. Notamment, déjà, la force qu'on retrouve et sur le versant physique et sur le versant métaphysique de l'univers, c'est la force gravitationnelle qui fait que les masses de même symbole s'attirent entre elles. C'est déjà première surprise, comment on en arrive à déduire que dans le monde de la métaphysique, la même force agit? Ben, disons que comment dire, on fait une analogie de ce côté-là. Hein. C'est pas une force gravitationnelle, il faudrait l'appeler une force métagravitationnelle. Dans le monde métaphysique, les masses imaginaires positives s'attirent et les masses imaginaires négatives s'attirent aussi, et les deux types de masses se repoussent. Alors ce qui se passe, si vous voulez, dans le monde physique, c'est que les masses imaginaires repoussent les masses positives, mais il n'y a pas d'objet composite. On n'a pas de molécules qui sont faites avec du plus et du moins. C'est complètement séparé. Tandis que dans le monde métaphysique, moi je pense qu'au contraire, les lois sont des lois métaphysiques, elles sont analogues, mais ça ne fonctionne pas de la même façon. Ce qui fait que les structures sont des structures composites, un peu comme des molécules qui sont faites avec de la masse positive imaginaire et de la masse négative imaginaire. Alors c'est là qu'à ce moment-là, on serait tenté de poser immédiatement la question, mais qu'est-ce que ça veut dire ces masses positives et négatives? Eh bien c'est le bien et le mal, c'est pas mal. Ça c'est surprenant, et on va voir que ce modèle, bah, à travers ces notions de bien et mal, vont déboucher sur l'enfer, le paradis, et tout ce qui va avec ces notions qui sont dans la dualité. Il y a un autre concept aussi important que vous mettez en place au début du livre, c'est le concept de finalisme. Vous réclamez comme étant finaliste, c'est-à-dire en gros que la vie a un but et qu'elle met tout en œuvre pour l'atteindre. Mais il y a aussi une chose, si vous voulez, c'est que les équations de la physique sont finalistes. Par exemple, s'il n'y avait pas de gravitation, il n'y aurait pas d'objet. C'est la gravitation qui rattrape les objets. Alors, à ce moment-là, vous êtes face à un univers complètement en désordre. Et à ce moment-là, vous dites, bon, ben, je prends les équations de la physique, je considère la gravitation, l'électromagnétisme, tout ça, eh bien, je vous prédis qu'il va y avoir des galaxies et des étoiles, elles auront cette gueule-là. Mais comment vous pouvez dire une chose pareille? C'est Dieu qui crée cette monde, ça se crée tout seul. Et là, pour le monde métaphysique, c'est pareil. Est-ce que ça veut dire être finaliste? Ça ne veut pas dire que, vous savez, comment dire,
les contestataires parlent du great design, du grand dessin, le grand dessin, hein, le grand architecte des francs-maçons. Francs-maçons, le grand dessin. Mais le grand dessin, c'est assez curieux parce que finalement, ça date des années 60, quand on a commencé à comprendre que la nature avait horreur de l'inorganisé. Vous savez, moi j'avais fait une expérience dans le temps qui était très marrante, je crois que je l'ai déjà décrite. S'il y a des Nurins qui sont bricoleurs, ils achètent dans un magasin de bois des petites baguettes de section circulaire, d'un centimètre de section, longues comme ça. Et puis on découpe des petits morceaux, et après vous vissez à un bout un anneau, et de l'autre côté un crochet. Vous savez, ces trucs qu'on met pour accrocher les rideaux, quoi. Vous avez des éléments avec un anneau et un crochet. Bon, puis vous en mettez 25 ou 50 dans un sac, vous secouez, eh bien, aucune chance qu'ils soient tous détachés. Ils s'attachent forcément. Alors, il y en a qui sont attachés à deux, il y en a même qui sont attachés à trois. Mais évidemment, vous ne les trouverez jamais, les 50, faisant un collier. Ça, c'est improbable. Mais ce qui se passe, c'est que ce qui se produit, c'est ce qui est probable. La probabilité pour qu'ils soient tous détachés, elle est zéro. Vous pouvez faire 100 fois l'essai, vous verrez à chaque fois ils s'accrochent. Ben c'est pareil, vous prenez les atomes, vous n'aurez jamais des protons, des électrons tout seul. Ça se structure dans les atomes. Après, quand une supernova éclate, elle envoie des atomes. Oh là là, ça fait des molécules de gaz carbonique, ça fait de l'oxygène. Vous voyez ? Donc, l'univers est morphogénétique. Eh bien, le monde métaphysique est morphogénétique aussi. Il fait des structures. Donc, le vivant, quoi qu'il arrive, a une tendance naturelle à se structurer. Et alors, le truc qui apparaît dans le vivant, c'est que le vivant a beaucoup d'imagination, mais ça reste quand même limité. Hein. Je veux dire qu'il n'y a pas de mammifère avec trois yeux. Disons que quand on regarde dans les strates de l'ère primaire, je crois que c'est au Canada, on a retrouvé des trucs extrêmement anciens. Alors, il y a des bestioles inimaginables, mais ça n'a pas marché. Appelle des monstres. Oui, non, mais des monstres. Mais je veux dire que la nature fait des essais. Elle fabrique des trucs, mais finalement, ce qui est le plus fonctionnel, ce qui reste et ce qui est stable et qui est fonctionnel. Et si nous sommes, nous, des êtres humains, c'est parce qu'on a deux yeux, c'est commun pour voir, avoir une vision binoculaire. Et puis en plus, on est dans une station de boue, ça nous permet de nous servir de nos mains, etc. Voilà. Quelle est la différence entre ce discours-là et celui tenu par Darwin et sa fameuse théorie de l'évolution? Si vous voulez, dans cette théorie, le darwinisme fait une chose, c'est qu'il fait une impasse complète sur la métaphysique. Vous avez bien vu dans le bouquin que moi je pratique une sorte de néo-darwinisme. Vous savez que c'est assez marrant parce que c'est très inspiré par les idées humides là-dedans. Hein. C'est-à-dire que, en fait, lorsque vous avez une espèce vivante, des bactéries, des bestioles, le hasard la guide, mais il y a aussi son esprit, son âme collective. Qui lui se trouve dans la noosphère. Voilà, et dans la noosphère, c'est un peu comme un chef d'entreprise qui fabrique des bouilloires, et tout d'un coup, ça ne marche plus, il faut changer de bouilloire parce que le modèle ne se vend plus. Alors on en essaye d'autres. Puis à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un éventail de mutations dirigées qui sont faites. Et le darwinisme fait son choix. Donc c'est pas du tout, mais simplement pour Darwin, la source de la variabilité, c'est le hasard. Et là, il n'y a pas beaucoup de gens qui y croient quand même. Moi, je me rappelle la phrase des textes humides disant « Imaginez que l'évolution est entièrement réglée par le hasard, c'est comme s'imaginer qu'en tirant sur un fusil de chasse avec un fusil à plomb, on va faire une statue quoi, sur du marbre. Hein. Vous tirez avec un fusil sur du marbre, vous allez sortir une statue. » Non. Il faut qu'il y ait ce fameux soft dont vous parliez tout à l'heure qui agisse sur le monde physique. Il y a des mutations qui sont dues au hasard. Vous savez, on a découvert des mouches qui s'appellent les drosophiles. Et puis, lorsqu'on les soumettait à des radiations, aux punaises, elles avaient 5 ailes, 4 pattes, etc. Alors, c'est facile de fabriquer des monstres. Mais des monstres, ce n'est pas des mutations intelligentes. Et nous-mêmes, on va se retrouver avec des mutations anarchiques si on continue avec le nucléaire, par exemple, ou si on continue à jouer. Parce qu'il y a toute une sorte d'intelligence dans la nature qui est absolument extraordinaire. La nature nous fournit des substances anticancéreuses dans les fruits, mais on les a fait disparaître en créant les pommes golden qui n'ont plus rien dedans. On a fait disparaître les vitamines, on a fait disparaître plein de choses. Ça voudrait dire que finalement, l'être humain est contre nature, oui. Dans sa manière de fonctionner?
Mais oui, parce que son boulot, c'est pas de s'occuper de la nature, c'est de s'occuper de voyages interstellaires. Il le fait très bien, il fabrique des fusées, voilà. Mais s'agissant, si on lui confie la gestion du vivant, c'est la catastrophe. Hein. Justement, vous parlez de voyage interstellaire. Une des choses que vous mettez aussi en avant dans le livre, c'est la stratégie du monde du vivant, le but ultime, mot pour mot, c'est étendre son champ relationnel en se complexifiant. Tout Et le ça, c'est. vivant fonctionne de la sorte. C'est C'est une dans les. loi, qu'on retrouve partout. Voilà. Mais je crois que c'est indéniable. Le vivant devient de plus en plus complexe et son champ relationnel augmente. C'est comme ça. Hein? On va revenir sur ces phytoplanctons, ceux qui sont apparus au début, puisque notre univers s'est organisé. On a Ah, vu mais. qu'on est passé de cette masse homogène qui s'est structurée sous l'effet de la force gravitationnelle, apparaît la vie. Et là, je passe sur la vignette numéro 7. C'est ça, On a un voilà. schéma qui donne une représentation et dans le monde physique et dans le monde métaphysique de la vie de ces phytoplanctons. Je vous laisse nous expliquer tout ça. Disons que moi je pense qu'il y a un moment où le monde physique évolue sans être en contact avec le monde psychique, vous voyez, et il y a un moment où le monde psychique évolue sans être en contact avec le monde physique. C'est-à-dire que la vie n'existe pas, parce que la vie c'est un échange entre les deux. OK? Hein? Alors, par exemple, lorsqu'il se forme des galaxies, lorsqu'il se forme des étoiles, c'est pas vivant, quelque chose comme ça. Et dans le monde métaphysique, il y a un psychisme aussi qui demande qu'à s'exprimer. Et à ce moment-là, il y a cette invention fantastique qui s'appelle le vivant. Et le vivant, il y a, vous savez, dès les années 50, avec l'expérience de Miller, on a commencé à s'apercevoir, toujours pareil, Miller avait pris un réacteur, dedans il avait mis de l'eau, du gaz carbonique, de l'azote sulfurique, de l'ammoniac, des choses comme ça. Puis il avait chauffé à une bonne température, et puis il avait mis des étincelles avec deux électrodes et de la haute tension. Puis il a laissé ça le week-end, et quand il est revenu le lundi, c'était orange, il y avait des acides aminés. Des acides aminés. Et c'est l'histoire des petites bois, des petits machins qui s'accrochent. C'est pas mal, les acides aminés. C'est les briques du vivant. Et alors après, en prenant ces acides aminés, lorsqu'on les met sur de l'argile, eh bien, ils ont tendance à polymériser. Donc on arrive à fabriquer des quasi-protéines. Donc la physique prépare l'arrivée du vivant en mettant les éléments, les Legos, quoi. Et puis il y a quelque chose qui se passe, alors ce truc-là, on ne sait pas comment ça fonctionne, personne ne comprend comment apparaît l'ADN, on n'a pas du tout même théorisé tout ça. Mais il y a un moment où il y a une jonction qui se fait, et moi je pense que au niveau des êtres primitifs, ils n'ont qu'un seul psychisme. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous identiques à la molécule près, et en plus ils ont une chose importante, c'est qu'ils n'ont pas de mémoire. Ils n'ont pas de mémoire. Le phytoplancton, il a ce qu'on pourrait appeler une ROM en informatique, c'est-à-dire un truc, essai erreur. Il y a du bon miam miam là-bas, je vais aller manger, c'est tout. Donc ces animaux-là vont vers la lumière, ou au contraire fuient la lumière, ils ont des signes vibratiles, ils savent faire des tas de choses, mais ils font toujours la même chose, il n'y a pas de mémoire. Donc il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de conscience. Et la conscience, elle est collective. Elle est dans une sorte d'âme collective qui pilote cette population de bactéries. Voilà. Au niveau, là on a vu le cas extrême des bactéries. Si Voilà. on passait par exemple sur le monde animal, est-ce qu'on peut imaginer par exemple qu'une population de chats, de chevaux, soit aussi pilotée par une âme collective et pas par des âmes individuelles comme on peut le retrouver chez l'être humain? Comment je veux dire, nous aussi, on est piloté par une âme collective et une âme individuelle. Il y a les deux. Y a les Hein. deux. Simplement, ce qui se passe, c'est que le chemin qui est fait de la bactérie à l'homme, c'est la découverte de l'individualité. Nous sommes personnalisés, quoi. Et les animaux, peut-être, sont moins individuels que nous. Hein. Mais je pense qu'ils ont une forme de conscience, une forme d'âme. Donc au fur et à mesure que le vivant se développe, on tend vers cette individualisation tout en gardant un pied dans quelque chose de plus collectif. On n'est pas indépendant. Alors, nous, on appelle ça la culture. C'est-à-dire que on dit, bien sûr, nous ne sommes pas indépendants parce que nous écoutons la radio, nous regardons la télé, il y a les médias, etc. On baigne dans une espèce de on appelle ça comment dire, la médiasphère. Ben, au-delà de la médiasphère, il faut comprendre qu'il y a une noosphère et on est aussi dedans.
On va voir ça aussi plus tard, tout ce qu'on peut y retrouver dans cette noosphère. Mais on va s'intéresser un petit peu au cas particulier, bah, de l'être humain, avec deux schémas. Donc là, je passe sur la vignette numéro 5. Je fais des allers-retours sur le fichier, Jean-Pierre, mais on ne voulait pas. Alors, vignette numéro 5. Donc là, on voit deux schémas. On a notre humain dans la biosphère, on voit son corps, et il est connecté à quelque chose d'autre dans la noosphère. Là aussi, je vous laisse la parole. Bon, eh bien, justement, cette noosphère, on pourrait dire c'est son âme, mais je l'ai représentée avec des sortes de grumeaux, comme ça. Parce que pour moi, les vies antérieures, c'est quelque chose de tout à fait réel. Alors, effectivement, on pourrait dire, mais sur quoi vous basez-vous? Ben, rien, sur des expériences personnelles. Ça, j'en parle dans mon bouquin, quoi. Moi, je pense qu'il y a des gens à qui ça arrive. Moi, j'ai eu plusieurs vies antérieures et j'en suis conscient. Et j'ai eu accès, dans certaines situations, à des informations de ces vies antérieures. Vous voyez? Donc, ce n'est pas du tout de la rigolade, quoi. Quand on voit le schéma, là, par exemple, on voit que, donc, là, actuellement, je suis en train de vous parler, mon corps physique est directement connecté à l'âme qui correspond à cette incarnation, enfin, à mon âme, et à un faisceau directement braqué sur cette incarnation. Et puis, il se peut que le faisceau, par je ne sais quel biais, arrive sur une autre incarnation, et là, on a accès aux vies intérieures. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée comme quoi toutes ces incarnations, on les aura en même temps? C'est certaines idées qui ont cours dans les milieux ésotériques. Est-ce que cette notion de temps, elle est importante? On entend souvent dire que le temps n'existe pas vraiment et que ces incarnations, on les aurait toutes de manière un peu simultanée. Non, ça, j'avoue que je comprends pas très bien cette idée, que le temps soit quelque chose d'un petit peu glissant et tout ça. Ce qui se passe, c'est que, quand vous voyez sur le dessin, on voit un homme, puis il y a une espèce de structure, de petite boule qui nous met en communication. Mais cette petite boule, pour moi, ça doit être quelque chose de biologique. Il doit y avoir dans le centre du cerveau quelque chose. Vous savez, moi, je trouve que les textes du mythe ne sont pas idiots de ce côté-là. Quand ils disent qu'il y a un paquet d'atomes qui correspond à cette communication, je crois qu'il y a quelque chose de genre. Et à ce moment-là, et ça consiste à quoi? Ça consiste à dire que ce corps-là est fabriqué partiellement avec des objets qui sont à la fois réels et imaginaires. Parce qu'en mathématiques, on peut être entièrement réel, entièrement imaginaire, mais il y a aussi des objets complexes. Ils ont une patte dans chaque côté. Et en fait, quand je sais cette séparation entre le réel et l'imaginaire, c'est trop brutal. En fait, toutes les masses ont une composante réelle, une composante imaginaire, soit la composante réelle est prioritaire, soit la composante imaginaire est prioritaire. Alors, dans ces objets qui permettent la communication, là, c'est vraiment des objets composites. Donc, à ce moment-là, et c'est pour ça que vous avez, je crois, une image qui était juste à côté, je ne sais pas si vous l'avez montré, la 5, là, c'est que, justement, la mort, c'est la destruction de ce genre de choses. Et à ce moment-là, si le personnage décède, cette jonction entre lui et son âme disparaît, mais l'âme perdure. Alors que le corps se décompose. Voilà, je l'affiche cette vignette, je l'ai trouvée. C'est une double vignette. Là, justement, on a un exemple frappant. C'est que on a un exemple d'une personne en état de méditation. Ah oui, où est-ce que c'est? Alors, celle-là, j'étais la chercher un peu plus loin, c'est la 12. C'est la 12. Donc, on voit sur la droite, on voit sur le schéma que la partie noosphère est plus connectée à la partie monde physique, c'est-à-dire que la vie physique s'est arrêtée, l'individu est mort, et par contre, il reste quelque chose dans la noosphère. Et on a en comparaison le monde de la méditation, où il y a toujours un lien avec une vie physique, mais le lien du côté de la vie physique est extrêmement ténu, puisque toute l'attention est focalisée sur ce monde de la pensée. Oui. Et il y a une sorte, j'ai fait un dessin là-dessus, ça correspond à un état de conscience. Hein. Et quelqu'un qui entre dans cet état de méditation, il est évident qu'il cherche à se couper le plus de ses perceptions sensorielles, quoi. Et à côté de ça, il s'ouvre à une conscience dans le monde métaphysique. Alors, jusqu'où peut aller cet état de conscience, cet état altéré de conscience, j'en sais rien. Mais inversement, on peut être très pris dans le monde physique
et laisser complètement tomber la métaphysique. Moi, je cite un exemple. L'été, je fais du planeur, et quand on fait du planeur, oh là là, mais tous les sens sont en éveil. On est là pour regarder son altimètre, regarder les nuages, regarder ceci. On ne peut pas être inattentif 10 secondes. À ce moment-là, vous savez, la métaphysique, c'est complètement à côté. Moi, je me rappelle, mon ami Rémi Nahan disait, un type qui fait du planeur et qui pense à ses problèmes, c'est que ça doit être des gros problèmes. C'est ça. C'est parfait, c'est pour ça que les gens un peu tourmentés, ils font du planeur, parce que on est tellement pris qu'on ne peut pas penser à autre chose. Et ça fait du bien de se débrancher un peu de la titrouille. D'être entièrement dans dans les cinq sens et plus dans la pensée. Bah, un type qui fait du surf sur une vague de 5 mètres, il tient son équilibre, il ne doit pas penser à ses fins de mois ou à la métaphysique. Si on lui demande est-ce que vous allez mourir, il s'en fout, il est en train de contrôler sa vague, c'est tout. Voilà. Il est entièrement dévoué à son incarnation physique. Alors le visuel, je l'ai mis en même temps que vous parliez de la situation de faire du planeur. Du coup, on voit vraiment la différence et rapidement comprendre de quoi il s'agit quand on compare les quatre dessins. On se rappelle de la mort où il n'y a plus du tout de lien avec le monde physique, la méditation où il y avait juste un microfil qui reliait encore la réalité au monde physique, on est vraiment dans le monde de la pensée. Là, on a le planeur où il y a un très très gros faisceau dirigé du côté de la physique. Et quand vous êtes en situation de réflexion, là, on voit que le faisceau d'essence et de la matière est très réduit. Et par contre, le faisceau qui, lui, vient de la noosphère est particulièrement énergique parce qu'on est dans le monde de la pensée. Je pense jusqu'ici, tout est parfaitement compréhensible. Quand je suis immergé dans un truc de maths, j'entends pas ma femme qui m'appelle pour le déjeuner, par exemple. Je t'appelle, nom de Dieu. Voilà. Vous voyez, là, c'est une autre forme d'ouverture. Mais moi, je suis un petit peu critique par rapport aux gens qui basculent complètement dans cette stratégie de la méditation, parce que vous voyez que c'est aussi se couper du monde physique. Et effectivement, quand on voit cette espèce de thématique hindouiste ou bouddhiste, vous savez, il faut que vous laissez, vous cessez de vous faire submerger par vos pensées. Tout est illusion. Hein. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est une illusion. La souffrance est une illusion, vous voyez. Et à ce moment-là, bon, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous vous remettez chez vous, vous fermez les rideaux, puis vous méditez, et à ce moment-là, alors vous avez même des sadhus barbus qui vont vous expliquer qu'on se prend un pied pas possible, que c'est très au-delà du plaisir sexuel. Moi, je médite tous les matins, et franchement, sauter une bonne femme à côté, c'est rien, vous imaginez pas, sans blague. Mais moi, je dis, ces gens-là, voilà, c'est un peu anticiper sa mort. Hein. Mais Moi, je vais. est-ce que le trop, dans tous les cas, n'est pas l'ennemi du bien? Il y a des gens aussi qui vont ne jamais être dans la réflexion et qui vont très peu utiliser leur connexion à ce versant de la pensée. Mais bien sûr. Non, mais l'excès dans les deux camps, dans les deux choses est mauvais, quoi. L'idéal, c'est pas de devenir un méditant à plein temps, quoi. Et de regarder les malheurs des autres avec une mansuétude béate, comme j'ai déjà vu ça. Je reviens sur le schéma qu'on a vu tout à l'heure, donc cet être humain qui a son faisceau connecté sur une vie, c'était la vignette 5, Voilà. il est connecté sur une vie, et puis il peut bouger le faisceau, se connecter à une vie antérieure, ça dans le livre vous en parlez aussi, vous l'avez expérimenté, l'accès à des vies antérieures, notamment à l'Égypte, est-ce que vous pouvez nous en parler? Je suis persuadé que parmi les gens qui écoutent ça, il y a des gens qui diront, moi, ça m'est arrivé, c'est tout. Il y a des gens à qui c'est jamais arrivé. Il y a des gens d'ailleurs. Alors c'est drôle parce que quand on pense à ses vies antérieures, moi j'en parlais à un ami astrophysicien et on parlait de ça. Je lui dis, mais est-ce que tu n'as pas un souvenir? Il dit, si, mais c'était pas agréable. Alors évidemment, si on a une vie antérieure Un peu cauchemardesque, moisi, c'est pas, on n'a pas envie d'y retourner. on n'a pas envie d'y retourner, quoi. Bon, quoi. Alors moi, ben, je crois que j'en ai déjà parlé, à Nuria, je ne sais pas, mais il m'est arrivé de me retrouver dans l'Égypte ancienne, quoi. Quand j'arrive, mais j'ai raconté ça dans la bande dessinée Le secret d'Imhotep. Hein. Elle est téléchargeable sur Savoir sans frontières. Savoir sans frontières. Et là, on voit le brave Venturini, quand il arrive au Caire, il se retrouve
en train de flotter dans la pièce, il passe au travers du plafond, et après il se retrouve dans l'Égypte ancienne, quand la pyramide de Khéops a été construite et Khéfren est en construction. Et moi, ça m'est arrivé, je me suis retrouvé planant au-dessus du sol, avec des sandales et une petite jupette plissée, et quand j'arrive, je tombe sur un chef de chantier, qui est donc un prêtre, avec son crâne rasé et sa peau de panthère, et quand il me voit, il m'engueule, et là, je réalise que, dans une vie antérieure, j'ai 14 ans, et je suis son neveu, je suis en retard au boulot. Et là, j'ai envie de lui dire, écoute, ne gueule pas, tonton, je comprends pas un mot de ce que tu dis. Alors, oui, non, mais tout ça, c'est en couleur, c'est complètement incroyable. C'est une réalité. Alors, évidemment, quand on fait des choses comme ça, ce qui est intéressant, c'est que je les ai vus travailler. Je les ai vus monter un bloc de roche de 70 tonnes et j'ai vu comment ils faisaient. Et j'étais très intéressé. Alors, je suis monté sur la rampe et les gens trouveront ce dessin dans le secret d'Imhotep. Mais moi, j'ai vu tout ça. Alors, vous avez un système comme ça, avec une espèce de. D'équerre et avec des cordes qui tirent, et il y a des types en bas qui tirent en alternance pour faire monter les choses. Alors moi je suis allé au bord, évidemment ils se sont arrêtés. Alors j'ai perturbé le travail. Donc le tonton est monté sur la rampe avec son bâton pour me flanquer une raclée. Et là, à ce moment-là, je m'envole. Je rentre à l'hôtel en flânant, et quand je survole le chantier de la pyramide, les ouvriers se prosternent. Ils se disent, c'est un dieu. Alors je retourne dans l'hôtel, là j'allume la lumière, je prends un papier, je prends des notes. Et il y a ma femme qui dit, qu'est-ce que tu fous? Rien, je fais un tour. Alors il y a eu ça, puis alors je me rappelle une autre fois, je me réveille, je ne sais pas si c'était de jour ou de nuit, mais je me retrouve à bord d'un bateau égyptien. Alors à ce moment-là, je reçois les embruns, l'eau salée et tout ça. Là, personne ne me remarque. Donc à ce moment-là, je me retrouve sur un bateau égyptien d'ancien empire et encore une fois, je prends des notes. Voilà. Un scribe. Voilà. Et puis bon, il y a eu d'autres histoires comme ça. Bon, Et voilà. par quel biais vous avez accédé à ces vies antérieures? En Égypte, c'est tout à fait accidentel, quoi. Et puis, en plus, c'est des choses qui se produisent absolument n'importe quand. Moi, je suis pas quelqu'un qui vit des phénomènes paranormaux au quotidien, hein. Il m'est arrivé des trucs complètement inimaginables. J'en évoque quelques-uns dans le bouquin, quoi. Mon histoire de spiritisme, c'est un truc. On va y venir parce que pour moi, vous avez élaboré certainement un des protocoles expérimentaux autour du spiritisme les plus... Bon, enfin, j'en attendais pas moins de vous, mais on va voir. Je pense que s'il y a parmi nous des gens qui sont dans des équipes d'enquête paranormale ou autre, ce protocole, vous allez prendre des notes, vous allez voir, c'est assez formidable. Je reviens sur notre noosphère et sur ce faisceau qui se connecte à notre âme, on l'a vu. Il y a un nuage qui correspond à notre âme et plusieurs points qui correspondent à des incarnations différentes. Une fois que on meurt dans la matière, la mort physique, ces âmes restent dans la noosphère, ces vies antérieures, cette mémoire. Comment se fait-il qu'elles restent alors qu'elles ne sont plus connectées à un objet du monde physique? Mais ça, c'est la loi de la métaphysique. Disons que les âmes ont la propriété de perdurer, alors que les corps physiques et biologiques dégénèrent. Disons qu'un corps humain n'est pas autonome. Maintenant, quelqu'un peut très bien être mort complètement et on peut arriver à le maintenir en vie en faisant circuler le sang. Alors, vous voyez, on peut créer toute une sorte de vie artificielle alors qu'il n'y a plus rien. Ceci étant, il faut se méfier. Est-ce qu'il n'y a vraiment plus rien? Est-ce qu'il est vraiment mort? Moi, je sais que j'avais un copain qui s'appelait Durupl. Un jour, il a eu un accident de bagnole. Il a fait 2 ans de coma complet. Et quand il s'est réveillé, sa femme s'était remariée. Sans blague. C'est un très bon copain, je connaissais, c'est chercheur. C'est un drôle de coup. Alors à ce moment-là, quand vous avez quelqu'un qui est dans un coma pendant 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? Il est mort ou il est vivant? C'est C'est fou. un peu le vivant de Schrödinger. Ah oui, c'est vraiment. C'est quelque chose. Au niveau, il y a un autre truc que vous expliquez avec toujours à l'aide de ces schémas. Donc là, je passe sur le schéma 6 qui explique en gros le concept du karma. Ben oui, alors après, il y a une histoire intéressante, c'est que quand on prend ce monde métaphysique là, qui est la plaque grise comme ça verticale, eh bien on se dit on peut très bien faire une sorte de schéma en disant ben il y a un haut et il y a un bas. Alors on va se dire
progresser dans cette vie psychique, c'est s'élever. D'ailleurs, vous remarquez une chose, c'est qu'il y a, un aspect linguistique. Quand on dit que quelqu'un a de bas instincts, c'est une chute. Par contre, quand on s'élève, tout va bien. Bon, alors à ce moment-là, prenons cette schématique haut et bas. D'ailleurs, je dis qu'après la mort, nous sommes sensibles au théorème de Métarchimède. Tout corps plongé dans la matière astrale reçoit une poussée dirigée du bas vers le haut, égale au poids de matière astrale développé. Alors, c'est vrai que quand vous mourrez, mais c'est raconté dans le Bardo, c'est raconté dans le bouquin des Tibétains, etc. Et c'est raconté par des gens qui ont fait des expériences de coma dépassé, quoi. Eh bien, je dirais que le jour où vous mourrez, dans un premier temps, vous vous retrouverez un peu comme un con à côté de votre corps, quoi. Disons que les gens qui ont fait des expériences de mort imminente, ils planent au-dessus du corps qui est sur la table d'opération. Mais quand on est mort, ben à ce moment-là, il reste la table d'opération et le type, il va se promener, quoi. Et à ce moment-là, le problème, c'est comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on fonctionne quand on est mort? Bon, alors, moi, je sais que j'ai des discussions absolument homériques avec Edgar Morin, qui a lu le Métaphysicon, qui a lu la Bible en BD. Il trouve que c'est formidable, mais je lui dis, Edgar, tu as 96 ans, moi j'en ai bientôt 84, donc vis-à-vis de cette dernière longueur, tu es en pole position, quoi. C'est vrai qu'à cet âge-là, on se dit, j'ai quelques années devant moi, c'est le moment de réfléchir à ce qui se passe après la mort, hein. Sinon, tu vas mourir bientôt, et soit tu diras, merde, j'aurais dû écouter Jean-Pierre, mais tu vas te retrouver comme un con, il y a quelque chose. Alors, effectivement, se dire qu'il n'y a rien, ou alors imaginer une espèce de dissolution, comme une sorte de fumée, oui, c'est ça. Non, non, ce qui se passe, et c'est raconté dans la nouvelle qui est à la fin, que vous aimez. L'homme en verre. L'homme en verre, disons que quand les gens sont morts, il y a des gens, il y a des médiums qui ont accès aux décédés comme ça, et vous avez des gens qui ne savent pas qu'ils sont morts. Il y a eu des films là-dessus, hein. Ils savent pas qu'ils sont morts, alors éventuellement, il y aura fait une hantise, c'est qu'ils vont rester à côté de leur corps, y compris dans la cimetière. Il faudrait leur dire, mais tu sais, c'est fini, quoi. Vous voyez, c'est extrêmement prosaïque, hein. Et alors, après, eh bien, quand vous êtes mort, le problème, c'est que si vous avez atteint cette espèce d'état de raffinement de votre psychisme, ça va vous permettre de vous élever. Et les gens à haut niveau moral, ils sont élevés, ils sont en hauteur. C'est pour ça que quand on imagine que les anges sont dans les nuages, oui, ça doit être à peu près ça, quoi. Donc, prenez un ballon, par exemple, quand vous prenez un ballon, gonflé à l'hélium, vous le lâchez, il va monter, mais au fur et à mesure qu'il monte, il va se dilater. Il va se dilater jusqu'à ce qu'il pète. Bon. Tandis qu'imaginez une paroi de ballon qui soit tellement rigide qu'elle ne se dilate pas. Alors à ce moment-là, bon, ben, il y a un volume 4 tiers de Pierre 3, le volume de la sphère, et puis il y a le poids du ballon, et puis la poussée d'Archimède. Donc il va monter, mais en montant, il sera dans de l'air de plus en plus raréfié. Ce qui fait qu'il y a un moment où il s'arrête, parce qu'il est en équilibre. Vous savez, il y a une image très marrante que je vous suggère de faire, c'est assez drôle. Vous achetez un ballon des gosses, avec un fil, et puis au ballon, vous accrochez une feuille de papier. Alors souvent, quand vous mettez une feuille 21-27, le ballon, il n'a pas un pouvoir ascendant très fort. Mais ce qui est formidable, c'est qu'avec une paire de ciseaux, vous pouvez enlever des morceaux de la feuille, et vous arrivez très facilement à mettre le ballon en équilibre, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Alors il ne bouge pas, il va quand même bouger, pourquoi? Parce qu'il va suivre les courants de convection de la pièce. Et vous, vous êtes un courant de convection, vous allez voir. C'est-à-dire que vous mettez le ballon à quelques mètres de vous, il va se rapprocher, mais c'est comme vous générez de la chaleur. Quand vous êtes assis, vous avez l'air qui monte, et vous avez le ballon qui vient vous voir, il monte, il passe au plafond, il peut passer. Alors c'est très marrant. Donc là, cette histoire, c'est que les gens décédés, éventuellement, il y en a qui sont à une certaine altitude. Et puis d'autres qui sont carrément sur le plancher des vaches. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pénètre pas sur cette surface du sol? Ça, c'est un problème, parce que quelle est la densité astrale du sol, quoi. Peut-être que justement, on marche là-dessus comme on marcherait
sur une espèce de marais, quoi. Alors Ce après, que vous appelez le bas astral. le bas astral, c'est ce à quoi sont condamnés les gens normaux, les gens moyens. Alors en ce moment, ils vont battre la semelle comme des couillons. Et c'est pour ça qu'il y a le spiritisme. Et quand vous êtes là en train de dire, ah, esprit, tu es là, bien, à ce moment-là, c'est un peu comme une cabine téléphonique qui sonne et vous avez un esprit qui décroche en disant, oui, je suis là. Alors souvent, vous avez un type qui vous répond, je suis Gertin Jeterix, parce que s'il répond qu'il était plombier, c'est pas intéressant. Vous savez, C'est vrai que c'est là, souvent des personnes célèbres. écoutez, exactement, moi je sais que j'avais des amis qui habitaient du côté de Nîmes. Et un jour, ces gens-là prennent contact avec moi en me disant, on a voulu faire des expériences de spiritisme et notre fils s'est révélé un assez bon médium. Alors en ce moment-là, on fait des expériences avec l'esprit et tu l'as, et on tombe sur un bonhomme et on lui dit quand es-tu mort? Il répond carrément avant-hier. Alors à ce moment-là, on a son nom, et à ce moment-là, il téléphone à la personne qui travaille dans le journal local et on tombe sur la notice nécrologique. Parce que le type dit, vous direz à Alain et Marcel que je pense bien à eux, si c'est deux enfants. Donc les voilà en contact avec quelqu'un qui venait de décéder. Vraiment, c'est flippant. Mais tout peut arriver comme ça, c'est étonnant comme Alors, truc. il y a un truc, j'aimerais bien qu'on arrive à le faire toucher du doigt, c'est cette notion d'enfer, de paradis, de bas astral et de poids de cette âme. Tout à l'heure, vous évoquiez la poussée d'Archimède, donc dans la noosphère, on part sur une métapoussée d'Archimède. Et cette notion, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, le bien, le mal, c'est masse imaginaire négative et masse imaginaire positive. Si je résume ce que j'ai cru comprendre dans le livre, ce qui va pas être une mince affaire. Une fois que je passe à trépas, mon âme est un mélange de masse imaginaire négatif et de masse imaginaire positive qui vont lui donner un poids, une densité. Et De plusieurs grumeaux qui ont des densités, et c'est l'ensemble qui constitue oui, votre psychique. on va prendre mes vies antérieures avec et. C'est pour ça qu'on se réincarne, parce que si vous ne pouvez pas quitter cette surface terrestre, eh bien, il vaut mieux se réincarner pour essayer d'arranger ça. Donc, à partir du moment où on a une âme suffisamment pure, j'ai envie de dire, suffisamment légère, elle va s'élever pour devenir ce qu'on appelle des maîtres ascensionnés, des guides, des anges et autres représentations religieuses. Voilà, c'est pour Si ça que ça. je suis quelqu'un de neutre, je vais rester dans le bas astral, traîner un moment sur Terre en disant merde, je suis mort, je suis pas mort, je sais pas. Et puis au bout d'un moment, je vais comprendre que si je veux changer de ces situations, il va falloir que je me réincarne. Pour alléger un petit peu l'ensemble de mon âme qui se trouve dans la noosphère, et essayer d'avoir une vie un peu plus en adéquation avec les notions de bien et de mal. Si par Xavier. contre je suis la pire des. Excusez-moi, si je suis la pire des êtres humains, vous mentionnez Adolf Hitler qui est l'exemple type du mal incarné, là je vais avoir une âme très très lourde. Est-ce que je vais descendre en dessous de ce bas astral? Et Oui, atteindre ce qu'on appelle l'enfer et ce qui sur Terre est représenté par la couche, le noyau magmatique. exactement, c'est le feu qui ne s'éteint jamais. Le magma de la planète, c'est le feu qui s'éteint jamais. Donc, lorsque le monde du purgatoire, par exemple, vous avez toutes les situations possibles. Vous avez le mec moyen qui va marcher sur le bas astral, quoi, c'est tout. Mais Et puis, vu de la noosphère, encore une fois, je le précise juste pour que les gens comprennent bien, là on n'est plus dans le monde physique, on est dans le monde métaphysique, mais qui ne fait qu'un avec le tout. il fait qu'un, géométriquement, il fait qu'un. Et à ce moment-là, si vous vous rencontrez un obstacle, vous passez au travers, vous voyez? Vous essayez d'attraper un verre, votre main passe au travers. Hein? Voilà. Et alors, à côté de ça, si vraiment vous êtes chargé de vos actions passées, vous allez vous retrouver un peu comme un type qui patauge. Au départ, qui enfonce jusqu'aux chevilles. Vous imaginez, quand vous avez déjà traversé une rivière, et puis que vous êtes dans la boue comme ça. Puis alors, après, il y a le type, il y a juste le nez qui dépasse, il a un tuba, il est là en train de nager. Et puis alors, après, carrément, on coule. Alors, quand on coule, c'est ça l'enfer. Et l'enfer, on rencontre des gens qui sont en dessous. Et on les frôle, c'est pas très marrant, quoi. Oui. Alors, Et il y a. vous dites le mal-être psychique, et là on comprend un peu mieux, c'est une des clés pour comprendre, c'est la privation de communication. Et on en revient au principe de base, étendre le champ relationnel en se complexifiant. Et en fait, le vrai mal, c'est ce mal-être psychique qui provoque souffrance, c'est la privation de communication. Et l'enfer correspond aussi à ça.
Ben oui, c'est comme dans les quartiers de haute sécurité, vous voyez. Quand Ouais. les gens ils sont autorisés à faire une promenade dans un truc, mais ils voient personne. Ils rencontrent. Ça, c'est dur, hein. Je crois que c'est ce qui est le plus dur, c'est pire que la souffrance physique, l'absence totale de communication. Et ça, c'est l'enfer. Il y a un concept aussi qui est important pour comprendre tout ça, et encore une fois, qui est une des clés importantes, c'est le fait de rattacher cette noosphère à un espace précis, qui est la Terre, l'astre. Parce qu'on a une vision un peu dans l'absolu, donc on imagine. En fait, même la Terre, enfin, à la base, la noosphère est rattachée à un astre. Comment on l'explique ça? Pourquoi la noosphère ne serait pas rattachée directement à toute une galaxie ou plus large? Pourquoi est-ce que nos âmes ne sont pas rattachées à notre corps? Tout ça, il y a une unité schématique. Nous, on a une âme qui est attachée à notre corps. Et puis la planète, elle a une sorte d'âme. Vous savez, c'est Gaïa, quoi. Disons que toutes ces âmes humaines forment une conscience humaine collective. Et justement, le truc, c'est que si les religieux arrivaient à comprendre que leur vision religieuse est géocentrée, elle est propre à la Terre. C'est extraordinaire, un truc pareil. Alors après, moi je crois qu'il faut vite passer à cette idée des dieux, parce que rappelez-vous ce que disait Jacques Chancel dans Le temps et Dieu dans tout ça, hein, quand il interviewait quelqu'un. Alors effectivement, c'est une bonne question, parce qu'il y a des courants de pensée où les dieux n'existent pas. Il y a des gens qui sont animistes. Pour eux, il y a le grand esprit. Et le grand esprit, ce n'est pas un dieu avec une barbe. Hein. Nous, on a, dans les situations judéo-chrétiennes, alors c'est extraordinaire, parce que quand vous voyez par exemple la religion musulmane, on s'interdit la représentation de Dieu. Alors que vous l'avez vu dans la bande dessinée, on Un des prophètes pour les juifs décrit ce qu'il a vu de Dieu à un barbu. Le prophète Daniel, il Oui. décrit un peu. Et finalement, dans notre iconographie, regardez l'iconographie chrétienne, les églises sont pleines de choses comme ça. Regardez la chapelle Sixtine avec Dieu qui tend son doigt à Adam pour lui donner la vie. Donc, il y a une représentation anthropomorphique qui est d'ailleurs explicité ou non explicité. Quand vous prenez par exemple la Torah, le Dieu des Juifs, est-ce que vous vous rappelez qu'il y a Moïse qui rencontre Dieu sur le Sinaï. Simplement, Dieu lui dit, il faut que tu te retournes, parce que si tu me vois, ça va te foudroyer. Alors, effectivement, il rencontre Dieu, mais en lui tournant le dos, prudemment. Parce que c'est un Dieu terrible. Si jamais on le regarde, bon, c'est l'horreur. Vous voyez, c'est extraordinaire, un truc pareil. Regardez les dieux anthropomorphes des Grecs, c'est absolument merveilleux. Alors, eux, vraiment, il y a de tout. En plus, ils font l'amour avec les mortels. Mais, alors, tout ça, qu'est-ce que ça a comme réalité? Bah, c'est à la fois vrai et faux. Ça a une réalité, ce sont des êtres virtuels. Hein. Nous avons créé des personnages de fiction, mais ils finissent par tellement agir sur nos vies qu'on les considère comme réels. Il y a surtout une chose qu'on va créer, ce sont les intelligences artificielles. Les intelligences artificielles, c'est tout à fait réel. Alors moi, j'ai fait pas mal d'informatique il y a longtemps. J'avais fabriqué un programme de jeu d'échecs, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que maintenant, à moins d'être un type très fort, quand on joue avec un logiciel d'échecs, il vous bat à plate couture. Hein, il n'y a pas de problème. Bon, pourtant, il n'est pas intelligent. Simplement, il a beaucoup de mémoire, il y a beaucoup de sous-programmes, des choses comme ça. On appelle ça un système expert. Un système expert, c'est un système pseudo-intelligent qui est capable de vous sortir du discours, de sortir de l'action. Mais on va toucher à ce concept d'informatique, de programmes capables de se reprogrammer eux-mêmes. C'est-à-dire, quand l'ordinateur sera capable de créer du code, alors là, ça devient la véritable intelligence. Et cette chose-là, on va lui donner une structure, et après, elle sera auto-structurante. C'est un peu comme le vivant. Hein. Vous savez, dans les dieux, par exemple, les Égyptiens, le dieu Khnoum fabrique les êtres vivants avec de la glaise. Et après, cette glaise se met à bouger. Hein. C'est un peu le golem aussi. Et c'est pareil. Dans la Bible, Dieu
fabrique Adam et Ève avec de la glaise, il donne la vie. Bon, bien là, on va faire la même chose avec l'informatique, on va donner une pseudo-vie à ces êtres-là. Et on va finir par créer des intelligences artificielles qui sont tellement performantes. Vous savez, Turing, Alan Turing, l'inventeur pratiquement de l'intelligence artificielle, vous connaissez son nom, ce type-là, qui avait justement créé les programmes de décodage pendant la guerre pour les Anglais. Alan Turing avait dit, quel est le critère pour une intelligence artificielle? Eh bien, c'est le jour où on ne pourra plus faire la différence avec un être humain. C'est-à-dire que lorsque vous aurez cette intelligence en face de vous, au téléphone par exemple, et vous discutez avec elle, et vous serez incapable de la piéger. Vous savez, moi, je me rappelle, quand j'ai fait la bande dessinée de la forme magique, je crois que c'est là-dedans, à un moment, l'enturlu essaye de retenir au téléphone une couchette dans le train de nuit, quoi. Ah bon, le phocéen. Alors, au lieu d'avoir... Il a une nana qui lui répond très gentiment, et puis il dit, vous êtes tout à fait charmante, c'est tout juste, il n'invite pas à dîner. Et... comme elle échappe un peu à ses avances, il a un doute, et il lui dit « date de la bataille de Marignan ». Et elle lui répond « Marignan, c'est dans quel département ?» Et là, il raccroche en disant encore « c'est foutu, intelligence artificielle ». Et oui, une intelligence artificielle, elle finira par être prise en défaut, par quelque chose de genre, quoi. Mais justement, il y a même des écrivains de fiction qui disent il est possible que les intelligences artificielles en viennent à être plus intelligentes que nous, en se demandant ce que c'est l'intelligence. Regardez, par exemple, il y a pratiquement des programmes d'intelligence artificielle qui ont été créés et qui spéculent en bourse en gagnant de l'argent. Vous savez, il y a des fonds de pension qui ont été très fructifiés par des gens qui mettaient en jeu des programmes d'optimisation. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de... Donc, l'intelligence artificielle, elle peut être performante. Et il est tout à fait raisonnable de penser que dans un délai de quelques dizaines d'années, on va avoir des systèmes de gestion qui nous étonneront. Est-ce que la machine et l'intelligence artificielle deviennent l'égale de l'homme, est-ce qu'il faut qu'à un moment elle se retrouve elle aussi dans la noosphère? Ou est-ce qu'elle y est déjà? À partir du moment où elle développe une pensée autonome qui lui permet de s'auto-gérer. Regardez, par exemple, quand je prends ça, c'est une paire de ciseaux, c'est une arme. Bon, ben c'est une griffe, mais c'est une griffe artificielle. Bon, ben, une noosphère, c'est une âme artificielle. OK ? Ben, je crois que ça parle, quoi. Disons, on est en train de... Vous savez, avec la technologie, on modélise tout. Regardez, je me suis fabriqué des cristallins artificiels pour mieux voir. Et puis j'ai une peau artificielle. Comme ça, je résiste mieux au froid. Vous voyez, hein? Et puis j'ai une digestion artificielle. J'ai mis mon estomac à l'extérieur de moi-même pour cuire les aliments. Quand vous faites la cuisine et que vous cuisez les aliments, vous faites une prédigestion à l'extérieur. C'est quelque chose d'extraordinaire, comme ça. Il faut se rendre compte que la technologie... c'est une copie du vivant. Et l'informatique, ben, l'informatique, c'est pareil. Regardez maintenant, on a des simulateurs cardiaques. Incroyable. Et c'est vrai qu'un cœur, ça fonctionne parce qu'il y a un petit machin qui stimule comme ça. Et puis il y a tout un système de régulation qui fait que ça s'augmente, ça ralentit quand il y a moins de ceci, moins de cela. Mais pour les gens qui ont une faiblesse de ce côté-là, on leur met une pile avec un truc qui stimule. Mais alors, je ne sais pas si je prends le problème du bon côté pour comprendre la chose, mais là, on parle d'objets sans conscience. Alors, ce qui est peut-être le cas aussi des phytoplanctons dont on parlait tout à l'heure, mais ces objets qui sont des artifices, est-ce qu'on retrouve un pendant à ces objets-là dans la noosphère? Non, ils n'ont pas de noosphère. Non, d'accord. C'est comme le canard de Vaucanson. Vous savez, Vaucanson était un type du temps de Louis XIV qui avait fabriqué des automates. Il avait un canard, on pouvait lui donner des graines à manger, il faisait caca. Tout le monde était épaté, quoi. Il faisait coin-coin, il naviguait. Voilà. Mais simplement, quand vous voyez, regardez ce qu'on fait avec la robotique. Regardez les robots de Boston Dynamics. Vous avez vu ces trucs-là? Vous avez un robot qui fait un saut périlleux, qui monte à 4 à 4 les escaliers. Hein. Bon, un truc comme ça. Il est évident que dans un petit nombre d'années ou de décennies, on aura un robot qui gagnera le Roland-Garros.
il aura exactement une forme humaine et il renverra les balles à 200 km/h. Et on ne sera pas capable de le piéger. C'est extraordinaire. Est-ce que vous allez dire qu'il est vivant? Non. Bah, maintenant, quand vous jouez avec un ordinateur qui vous bat aux échecs, vous n'allez pas dire qu'il est conscient. Mais après, vous allez avoir des trucs comme ça qui vont discuter avec vous. On parle déjà, les gens veulent remplacer, comment dire, même leur conjoint. Hein. Imaginez. On voit ça dans des films d'anticipation et quelques films de science-fiction où les robots arrivent à assurer toutes les tâches, même humaines, de notre quotidien. Il y a un film que je trouve extraordinaire, c'est le film IA, l'intelligence artificielle de Spielberg. Vous l'avez vu, ce sont des parents qui ont perdu leur fils et finalement ils acceptent d'héberger un robot enfant. Et la mère est là et elle branche ce robot et elle lui énonce un certain nombre de noms dans l'ordre. Et quand elle a fait ça, ça y est, il est lié à elle affectivement. Et après, on voit tout ce qui peut arriver à ce robot. Au point de vue poétique, c'est bouleversant comme histoire. Un très beau film. Hein, voilà. Sur, je comprends bien le concept autour de l'intelligence artificielle, mais quel est le rapport entre le développement de cette intelligence artificielle et la métaphysique? Ben, disons que c'est l'image des dieux. Déjà, première chose, prenez un musulman, prenez un juif, prenez un chrétien. Dites-lui, Rome n'est pas le centre du monde, Jérusalem non plus. Nous sommes une petite colonie sur une planète et nous avons nos religions à nous. Nous avons notre noosphère, mais il y en a d'autres qui en ont une autre. Ils pensent complètement différemment. C'est extraordinaire. Déjà, arrêtez de se dire qu'on est le centre de l'univers. Moi, je me rappelle, il y avait une émission qui avait été avec Pradel, et Pradel avait invité un évêque qui représentait la communauté chrétienne catholique à Paris. Et Pradel demandait à ce type-là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, est-ce que vous admettez qu'il puisse y avoir des êtres vivants sur les autres planètes? Et il répondait la chose suivante: oui, je serais même prêt à croire que le Christ est mort en croix pour ces gens-là. Vous voyez, le Christ, dans la religion chrétienne, il est mort en croix pour racheter les péchés du monde. Hein? Et là, imaginez que, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est un thème. Et imaginez que ce Christ soit mort en croix pour racheter les millions de milliards de milliards d'êtres humains dans notre univers. C'est fou, quoi. Vous voyez, le type, il a cette vision étriquée. Étriquée. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le Christ? C'est une bonne question, j'en sais rien. Vous avez vu, j'ai quand même traité ça dans ma deuxième bande dessinée, et pour moi, ce n'est pas un sujet à prendre avec dérision. Vous savez, un jour, je ne sais pas si je vous l'ai raconté, je prenais le train avec un séminariste, un jeune qui était appelé à la prêtrise, et on discutait, et je lui dis: est-ce que le Christ était génétiquement compatible avec l'espèce humaine? Ah oui? Voilà. Et à ce moment-là, il m'a dit: on se pose beaucoup de questions en séminaire, mais il n'y a jamais eu jamais ce type de questions. Voilà. Il y a une chose, vous voyez, quand on dit que le vivant est fait pour étendre son champ relationnel, bon. Alors, au point de vue de l'être humain, c'est lui qui est chargé d'assurer avec la technologie le contact avec les autres espèces. Maintenant, il y a une question qu'on peut se poser: est-ce qu'il est le passager du véhicule ou le cocher? Hein? Parce que quand vous avez un arbre qui communique avec les autres arbres, eh bien, il va fabriquer des spores. Mais les spores, ce n'est pas la même chose que la cellule de la feuille. Nous-mêmes, on communique génétiquement avec le sperme, avec les ovules. On a des cellules spécialisées qui emmènent tout, d'ailleurs. C'est quand même étonnant. Quand on a un acte sexuel et qu'on réalise la fabrication d'un être humain, eh bien, on a une sorte de... On expédie à l'autre tout le matériel génétique. Hein, c'est incroyable. Mais par contre, quand on fabrique un enfant, on ne le fait pas en disant: je vais prendre un morceau de mon bras, toi, etc. On mélange dans une casserole. Oui. Donc là, vous avez un corps social, vous avez un ensemble humain. C'est un peu comme un corps humain. Donc nous sommes un peu comme les cellules de ce corps. Bon. Et maintenant, il va falloir communiquer avec un autre ensemble humanoïde. Hein, bon. Est-ce que... c'est l'homme qui va communiquer avec un autre humanoïde, ou est-ce qu'il n'y aura pas moi j'appelais ça un homme plus un. La fameuse cellule spécifique
à même de transmettre notre bagage. Alors le truc, c'est que quand vous voyez l'évolution à partir des humanoïdes, eh bien, vous avez le passage, l'hominisation, c'est un peu tout d'un coup un saut au-delà de l'animalité. Bon, on n'a pas été créé en arrivant comme ça. Il est possible qu'on émane d'une souche d'humanoïde comme les australopithèques, etc. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est est-ce que cette évolution est progressive ou brutale? Vous savez, avec cette histoire de darwinisme, moi je rejoins le thème humide, c'est-à-dire qu'en fait, la noosphère envoie des ordres, elle envoie un paquet de mutations. Et moi, j'avais beaucoup discuté avec le professeur David, qui était très orienté vers cette étude de l'évolution. Et lui, il était partisan, je pense que des gens le sont aussi, du fait que l'hominisation, c'est assez brutal. Hein. Il y a une modification profonde sur le soft et sur le hard. C'est pareil pour la station de bouche, je vous signale. Quand vous allez dans les musées, vous voyez une espèce de bestiole qui est à quatre pattes, puis après elle se relève progressivement. Hein, tout le monde a vu ça. Bon, bah, je veux dire une chose, c'est que nous, on est bipèdes, hein, mais on est très mal à l'aise à quatre pattes. Bon, maintenant le quadrupède, lui, il court sur ses quatre pattes. Hein, et l'intermédiaire n'est pas performant. Finalement, il y a des ours qui se mettent debout pour voir loin. Mais si tout d'un coup il y a un danger, ils se cavalent sur leurs quatre pattes. Et nous, on peut être à quatre pattes pour chercher les clés, hein, mais tout d'un coup, si ça ne va pas, on court sur les deux jambes. Donc, si vous voulez, l'hominisation, est-ce que. Comment dire? Vous voyez, il y a une chose, c'est que quand il y a une mutation essentielle, profonde, David me parlait de ça, une population d'individus, d'êtres vivants, et tout d'un coup là-dedans il y a une mutation, et il y a ce qu'il appelait une spéciation, c'est-à-dire que cet être-là, il va se séparer de son milieu originel, et ça devient important quand au milieu de cette population, il y en a au moins deux, un mâle et une femelle, qui vont pouvoir créer un couple, éventuellement avec des tribus différentes. Il y a aussi une chose, c'est que lorsqu'il y a apparition de mutants, eh bien, ces mutants, éventuellement, ils sont rejetés par la communauté. Hein. Regardez, par exemple, il y a une mutation qui est le fait d'être albinos. Ben, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe en Afrique. Mais plutôt mal avec certains rites de sorcellerie et certaines croyances liées à ce critère d'albinos. C'est épouvantable. En Afrique, quand un être albinos apparaît, mais il est tué par les autres pour en faire je ne sais quoi. Quoi, vous rappelez, on fait des médicaments avec des albinos cul. Un truc dans ce genre-là, c'est épouvantable. Bon, alors, le truc, c'est, le Christ aurait-il été un mutant? Et si c'est un mutant, ça peut être justement cette mutation qui engendre le personnage qui sera à même de communiquer avec les extraterrestres. De poursuivre le dessein du vivant, qui est d'élargir sa capacité relationnelle. Et alors, justement, même dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il est peut-être génétiquement compatible avec une autre ethnie, mais pas avec nous. Et c'est ça qui se passe lorsque vous avez des mutants. Il faut qu'ils soient génétiquement incompatibles avec leur espèce, comme ça ils vont faire leur vie ailleurs. Ok ? Donc, dans cette histoire d'évolution, il y a cet aspect l'hominisation. Imaginez tout d'un coup que dans une tribu de semi-simiesques, quoi, tout d'un coup apparaît un bipède. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il y a eu des films de science-fiction très bien faits de ce côté-là. C'est extraordinaire, un truc comme ça. Après, est-ce que sur Jésus, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent autour du personnage de Jésus, mais je comprends la réflexion autour de la nécessité de voir une mutation apparaître pour élargir le champ de relation avec l'extérieur. Vous savez que dans les évangiles, quand le Christ parle, il dit « Je suis le fils de l'homme ». Ça n'est que accessoirement que tout d'un coup il est présenté comme le fils de Dieu, et comme on connaît la fiabilité relative de ces textes, il est possible même qu'il ne l'ait jamais dit. Mais le fils de l'homme, alors ça c'est dit dans tous les évangiles 10 fois, quoi. Le fils de l'homme, je suis le produit de l'espèce humaine.
Ça c'est frappant comme truc. Ah, Et qu'est-ce que ce serait qu'une sorte de spermatozoïde humain, quoi? Qu'est-ce que ce serait qu'un ambassadeur, hein, il aurait à ce moment-là accès à la mémoire humaine, il aurait des pouvoirs psychiques, il serait en contact, lui, avec avec son âme. l'ensemble de la noosphère. Voilà. Disons qu'il a une sorte d'âme, et c'est pour ça qu'il dit qu'on est tous semblables, parce que lui, il le perçoit. Quand il voit des êtres humains, il peut les lire comme des livres. Et après, il y a un message à délivrer, mais il y aura le phénomène du rejet, quoi. Mais vous savez, je vois par exemple, c'est quand même extraordinaire, regardez les scientifiques qui ont voulu changer l'histoire, mais on les a brûlés, hein? Quand on voit l'histoire de Galilée, mais c'est extraordinaire. Je crois que dans une de mes vidéos, j'ai reproduit, parce que j'ai retrouvé, c'est facile à retrouver, vous le trouvez sur le net, le texte de l'abjuration de Galilée. D'ailleurs, il y a une vidéo qui a été faite avec un acteur qui est Claude Riche, qui tient le rôle de Galilée, et c'est le procès de Galilée. Bon, facile à trouver. Mais regardez ce truc-là. Regardez les Dominicains en face qui le cuisinent. Et le problème, c'est que qu'est-ce que fait Galilée? Il crée le désordre. Surtout, il a fait une chose terrible. Vous savez qu'il a publié un bouquin dans lequel il y a des personnages qui discutent. Et il y a Simplicius, qui est le couillon, qui croit que la Terre est plate, quoi. Enfin, et ce qu'il a fait de grave, c'est qu'en écrivant ce livre, il l'a écrit en italien. Donc ça a permis d'enseigner au public, au lieu de le mettre en latin. S'il le met en latin, ça reste dans le monde des intellectuels. En italien, c'est catastrophique. Alors, dans le procès, les Dominicains donnent un peu l'impression qu'ils vont prendre un peu la part des choses, mais après, ce qu'on lui demande de lire, c'est: moi, Galilée, je reconnais que je rejette ces pensées absurdes de la Terre qui bouge, et je promets, je jure de ne jamais professer et enseigner ces théories absurdes et d'écouter ce que me dit la Sainte Église. C'est incroyable, quoi, incroyable. Il fait pas bon être en avance sur son temps. Voilà. Si on aurait pu, j'ai envie de dire, toute proportion gardée, mais on aurait pu vous demander à un moment de retirer tout ce que vous aviez dit sur les humites et les ovnis pour accepter vos travaux au sein de la communauté scientifique. Mais vous savez, la première fois que j'ai vécu ça, l'académicien Evry Chapman, il était président de l'Union rationaliste et il prêchait la bausse parole en disant: évidemment, les gens pensent que nous sommes visités, mais hélas, à cause de la vitesse de la lumière, et blablabla, pour lui, c'est de la connerie. Et en particulier, il disait que les témoignages d'OVNI, ça ne tient pas debout, puisque ces objets vont très vite, ils devraient faire un bang supersonique. Et voilà que Jean-Pierre Petit dit non, ça peut marcher. Alors, il est interpellé par des gens dans une conférence, et il leur dit: l'aérodyne de Jean-Pierre Petit, ça me fait bien rigoler, ça me rappelle l'histoire du baron de Munchausen, qui, étant assis sur sa jument, un jour il s'embourbe, et il tire la jument en tirant sur la crinière. Et il se fout de ma gueule, comme ça. Et Schatzmann a été le président du jury de ma thèse en 1974. Donc il sait de quoi je suis capable. Il m'a fait une conclusion très élogieuse. J'étais un théoricien plein d'avenir. Et tout d'un coup, je suis le dernier couillon venu, quoi. Bon. Alors, moi, j'ai eu une idée, je lui ai demandé un droit de réponse. Et ça a pris des mois et des mois, il jouait un peu au chat et la souris, et à un moment, il y avait les assises de l'Union rationaliste à Annecy, en 76. Et j'ai adhéré à l'Union rationaliste pour pouvoir y aller. Et à l'époque, comme j'avais eu mon accident de travail, je suis allé en ambulance, porté par un brancard, par Vuitton et des copains. Et à ce moment-là, comme Schatzmann avait dit que c'était impossible qu'une machine volante se sustente en créant son propre champ électrique, son propre champ magnétique, il disait: des théorèmes s'y opposent. Alors Vuitton avait fabriqué un aquarium avec de l'eau à dissimuler, il y avait Munchausen dedans, et quand on branchait les fils, il sortait. Et à ce moment-là, on a montré ça à Schatzmann, je lui ai dit: si ce que vous dites est vrai, ça peut pas marcher. Là, il est devenu gris, carrément. Et il a dit: je dois avouer qu'à Grenoble, j'ai été léger. Enfin, il a rengracié. Bon. Et après, c'est devenu, mais c'était
La salle, il y avait 400-500 personnes. Moi, je ne voyais pas grand-chose, j'étais par terre sur mon brancard, je ne pouvais pas me lever, quoi. Mais les gens sont mis à s'insulter. Il y a des types qui disent, mais assez, il faut les jeter dehors. Et d'autres qui disaient, mais non, ils apportent une image, un éclairage sur le problème. Non, on s'en fout de l'éclairage. Il y a un type qui s'est penché vers moi, qui m'a dit, un vieux bonhomme qui m'a dit, et je suppose qu'après ça, vous allez nous inventer un truc pour aller vers les autres étoiles. Mais écoutez, monsieur, j'essaierai. Puis il y a Vito qui m'a dit, tu sais, on aurait été au Moyen-Âge, on serait déjà dans la cour, accroché à des croix, en train de C'est ça. brûler. Sans Vous blague. avez la chance d'être né à une époque à peu près civilisée, mais, mais on est dans le même cas de figure. On ne peut plus, mais on ignore. Alors, justement, là, je vais donner une petite nouvelle au Nuréen, hein, bon. On a de nouveaux travaux qui viennent de sortir sur les galaxies. Superbe. Donc ça va être publié. En plus, on va pouvoir expliquer tout ça. On va revenir dans la partie avec des balles neuves. Hein, je vous garantis. Moi, j'ai un bon service. Et là, ça va chier, quoi. On commence à en avoir marre de cette bande de clowns qui ferme les portes du temple, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'ai regardé une conférence de Luminet qui explique qu'en astrophysique, en cosmologie, on n'a pas d'observation. Ben, simplement. Mais c'est pas possible. Ils sont dans un monde chimérique. C'est Suriot. La physique théorique est devenue un hôpital psychiatrique et ce sont les fous qui ont pris le pouvoir. Alors vous avez vu que personne ne me répond, il n'y a aucune un labo qui veut ouvrir les portes des séminaires, on va les enfoncer, on va les enfoncer qu'Internet. Alors ce qui va se passer, comment c'est enfoncé? Je vais tout expliquer. Il y a déjà des vidéos de Janus, mais l'astrophysique, ça va être très commode parce que quelqu'un qui a un niveau Mathélène va pouvoir comprendre. Il suffit de savoir faire marcher une matrice. Vous allez voir, c'est tout simple. Et puis c'est vraiment très beau. C'est génial. C'est le premier modèle mathématique de galaxie. Et c'est un problème sur lequel tout le monde lutte, c'est l'équation de Vlasov. Et Riazulo avait dit, si on ne trouve pas d'équation pour les galaxies, c'est parce qu'elles sont intrinsèquement compliquées. C'est pas mal. Mais là, on va créer l'astrophysique galactique, c'est génial. Moi, j'admire votre enthousiasme et votre pugnacité, parce qu'à à chaque fois qu'on vous revoit à quelques mois d'intervalle, vous Eh oui. remettez, comme vous dites, on a de nouvelles balles, on reprend le service et on y retourne Là, et on lâche pas. mon cycle chargé, ça va vraiment être. Je suis un peu le Clint Eastwood de l'astrophysique. Hein. Je vous assure que là, franchement, il y a un modèle mathématique de galaxie face à rien du tout. Ces gens sont des clowns, nom de Dieu, et je vais le dire. Donc ça, c'est des nouveaux éléments de recherche qui sortiront en vidéo. Complètement, complètement. Alors disons que les galaxies sont entourées par de la masse négative, on s'est modélisé ça, c'est formidable. Alors ça date de ces jours-ci, quoi. Disons que c'est un travail. Vous savez, c'est des travaux que j'ai commencé en 72. Hein. Et c'est dans ma thèse. Et donc j'ai repris tous ces travaux-là. Et je me suis dit, nom de Dieu, à cette époque-là, j'étais en avance de 50 ans sur moi-même. C'est vrai. C'est des trucs parfaitement actuels et je les avais vachement poussés il y a près de 50 ans. Et là, vous avez Nathalie Deberg pour appuyer aussi sur ces travaux-là. On appuie sur tous les champignons. Il y a Florent Marnia qui va s'occuper de la modélisation. On va vous fabriquer des images de galaxies. Ça va être extraordinaire. Alors, en plus, comme ils ont un gros système, là, je vais lancer des simulations numériques. On va fabriquer des tas de choses, des galaxies spirales. Autrement dit, le foyer de l'astrophysique théorique, ça va être dans un labo de Poitiers, axé sur la mécanique des fluides, pas à la cellule astrophysique. Parce que là-bas, ils ne savent pas faire. Oh là 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 là, mais quelle bande de mauvais, quelle bande de mauvais. Donc, à suivre attentivement dans les semaines à venir entre autres sur votre chaîne YouTube à vous, Jean-Pierre, où il y a toutes les vidéos Janus que je peux qu'encourager nos auditeurs à aller voir. Je suis combatif, vous savez, franchement. Ah mais je moi je, honnêtement, je n'ai que du respect par rapport à ça, c'est même impressionnant. J'espère dans quelques années être comme ça. Mais dans un monde où tout se casse la gueule, écoutez, il se trouve que c'est moi qui suis comme ça. Vous savez, dans mon équipe, le moral n'est pas toujours très bon. Nathalie Demerck, elle ne trouve pas du temps trop travailler. Il y en a un autre. Ils ont tous des problèmes. Et c'est Et vous moi, qui l'avez remonté. j'ai dit, mais va... oui, c'est moi qui la gonfle. Captain Jean-Pierre. Ouais, absolument. C'est Doc dans Retour vers le futur. C'est vraiment. Oui, toujours, toujours de l'avant. Mais vous savez, ces modèles de galaxies, on est en train de les fabriquer avec mon PC.
hein, avec un petit ordinateur. On n'a pas besoin de gros systèmes parce qu'on a trouvé. Vous savez, il y a un truc, c'est que c'est bien gentil la puissance des calculs. Mais le meilleur ordinateur de la planète, c'est ça. Les neurones, il n'y a rien de tel. Ça simplifie les choses. Comme quoi l'intelligence artificielle, c'est sympa, la vraie prime. Vas-y. Alors vous allez voir, dans ce truc-là, les gens vont voir ça en disant, mais putain, qu'est-ce que c'est simple. Bon, c'est élégant, mais ça tient en 10 pages. C'est pas. Vous savez, je vais vous montrer un truc. Ah, voilà. Attention. Voilà. Je vais vous montrer un truc. Alors vous avez ça. Ça, c'est la Bible de la dynamique des galaxies. 850 pages. Fait par M. Binet et Tremaine. Regardez l'épaisseur. Hein. Et c'est réédité, réédité. C'est de la merde. Il n'y a rien là-dedans. Le travail qu'on fait, après, on prend ça, on le jette. C'est du semi-empirique. Ah, les galaxies, alors quelquefois, elles sont un peu comme ci, puis c'est un peu comme ça, voilà. Rien ne vaut les maths. Et alors, le truc, c'est que j'ai donc construit la première solution mathématique de l'équation de Blasov. Voilà, tout simplement. Exact. Cette équation, de quand elle date? Ben, elle date de 1945. 1838. Monsieur Vlasov, moi je croyais que c'était le 18e siècle, pas du tout. Et en plus, on n'a jamais été capable de rien en foutre. Et le type à qui je vais soumettre ça, qui s'est cassé les dents là-dessus, c'est Villani. Et Villani, Le fameux ex-député, enfin, qui, mathématicien qui s'est lancé en politique. Oui, mais enfin bon, je crois qu'il était meilleur pour. Enfin, s'il a abandonné les maths, c'est parce que, en fait, ça n'allait pas très loin, quoi, c'est tout. Il a beau lui avoir la médaille Field, mais un type qui est vraiment un vrai chercheur, il ne peut pas s'arrêter d'être chercheur. Lui, il servait de politique, il n'y a pas de problème. Et là, je vais le coincer sur cette histoire de Vlasov, et je vous garantis que si il ne réagit pas, je l'allumerai comme les autres. Allez. Rendez-vous est pris 2021, ça va chier les ronds de caisse. Je suis le connard noir, vous savez. Si ça continue, je vais me radicaliser. Non, mais sans blague. C'est ce que je faisais marrer Nathalie Belberg au téléphone aujourd'hui en disant, Nathalie, t'as encore rien vu. Moi, je suis vraiment très en colère. Vraiment. Il y a de En quoi? colère, Il y après a de une quoi vous... grande. Ah oui, il y a de quoi. Je sais que vous le dites avec le sourire, mais je sais qu'il y a de quoi être révolté Des et cons comme outré par... un connard comme Jean Stone qui me téléphone pour expliquer qu'il faut que je me fasse voir par un psychiatre. Vous vous rendez compte? Vous connaissez cette histoire, non? Non, mais Oh. elle vaut pas mieux que les autres. Il y a un bonhomme qui s'appelle Jean Stone qui a créé l'UIP, c'est l'Université interdisciplinaire de Paris. Alors il dit qu'il a connu 15 prix Nobel, et, enfin il a un carnet d'adresses extraordinaire. Alors à un moment, il s'est adressé à moi en me disant, voilà, écoute, il faut absolument que je t'explique, tu es comme. Un mathématicien américain dont le nom m'échappe, qui était génial, mais qui a fait des séjours en hôpital psychiatrique. Donc il me voit comme ça. Et moi, il y a un truc, c'est que j'ai joué son jeu. Il se proposait de me téléphoner. Alors il y a eu un coup de téléphone. Et puis moi, je lui ai dit, alors tu penses que je suis schizophrène? Mais oui, mais c'est pas grave. Tu sais, ça se soigne. Ah bon, ça se soigne. Et tu crois que je pourrais bénéficier de soins? Mais est-ce qu'on va pas m'interner? Non, non, on n'interne plus. On peut te soigner en externe. Alors je vais te donner l'adresse d'un psychiatre. Carrément, je vous jure. Il pense que je suis fou. Alors il m'a dit, texto, que c'est un service à me rendre de dire que je suis fou. Parce que les gens accepteront mes idées. Il est génial, mais il est fou. Oui, l'autre explication, c'est cette phrase bien connue, quand on veut piquer son chien, on dit qu'il a la rage. Exactement. Hein? Exactement. Mais, Je crois que... oh oui, la tête de Stone est vraiment. Il y a une jalousie là-dedans, évidente, quoi, c'est tout. Il y aura un livre un jour qui sortira, ce fameux sur la faillite de la Bien faillite de sûr. la recherche scientifique. Jean-Pierre, si vous voulez bien, on va prendre quelques questions des auditeurs. Ouais, Et allons-y. il y avait un ou deux points parce que je vois le temps défiler. Si vous avez encore un peu de temps, moi je l'ai en tout cas. Allons-y. Mais il y a un ou deux points que j'aurais aimé quand même qu'on présente aux auditeurs sur le métaphysicon. Je tiens à dire sur le métaphysicon, c'est très dur en 2 heures de résumer. Il va falloir vraiment le lire ce livre, les amis. Oui. Si vous vous intéressez à toutes les questions qu'on aborde sur Nuria, vous trouverez dedans en tout cas une explication. La vérité, encore une fois, on en a parlé au début sur l'assise mathématique qu'il y a derrière tout ça.
Moi, je ne suis pas là pour en juger, je n'ai pas les compétences. Mais en tout cas, le livre est bluffant et je vous invite vraiment, c'est un cadeau que vous vous faites de lire ce livre. Que vous l'achetiez ou pas, lisez-le. Ce que je veux expliquer, c'est que je ne suis pas en train de matraquer les gens, un peu comme fait Philippe Guillemant, là, avec sa physique de la conscience. Lui, c'est une sorte de sachant, quoi. Moi, je ne suis pas un sachant, simplement, j'apporte aux gens des outils pour réfléchir. C'est ça. C'est un peu comme si vous disiez, je vais vous expliquer un peu la mécanique, mais voilà une boîte de mécano. Alors, vous voyez, il y a des barres, des trous, il y a des vis, des trucs comme ça. Et à ce moment-là, l'image à donner, c'est si les gens disent, qu'est-ce que c'est qu'un véhicule? Bah, écoutez, voilà des roues, voilà des trucs. Alors, les gens vont bricoler. Il y en a, il va faire un vélo avec deux. Puis un autre, il va faire un tricycle, l'autre, il va faire une voiture à pédales. Chacun est persuadé que c'est ça, le bon véhicule. Non, non, ben, c'est ça. Et vos pensées, ce sont des assemblages de choses. Simplement, ce bouquin, ça se termine par la phrase « Réfléchissez à vos pensées, à vos croyances. Et prenez un peu de distance avec ça. C'est pas parce que ayez une attitude de philosophe, enfin. Mais vous savez, la philosophie dans le temps, rappelez-vous, c'était la logique. Qui est devenue l'épistémologie, la morale, qui est devenue la sociologie et la psychologie. Et puis il y avait un troisième truc qui s'appelait la métaphysique, maintenant ça n'existe plus, c'est l'histoire des religions. Ah oui? Il n'y a plus de philosophes qui discutent sont vraiment sur la métaphysique. C'est grave. Hein? C'est quel est le but de la philosophie si on n'aborde plus ces thématiques-là? Et là, quand il y aura une vidéo là-dessus, vous savez, il y a l'entourloup qui arrive et qui dit, y a-t-il un métaphysicien dans la salle? Y a-t-il un philosophe dans la salle? Et oui, moi j'ai voulu faire un exposé dans un département de philo à Aix où j'ai enseigné dans le temps. Quand je me suis adressé là-bas, les gens m'ont dit, oh tu sais, il n'y a personne qui s'intéressera à ça. Alors, ils sont spécialisés. Mais la philosophie avec une spécialisation, c'est l'absurde. La philosophie, c'est l'étude de tout, au contraire. Ah Moi, oui. j'ai connu des vrais philosophes, c'était passionnant. Des gens, ils acceptaient tous les débats. Là, vraiment, il y en a qui pilotent. Oh là là, fou. Justement, une question qui me semble hautement philosophique et pas dénuée d'intérêt, c'est Damien qui vous la pose, qui vous demande, dans cette vision du monde, est-ce que JPP voit un sens à l'incarnation physique? Quelle en serait son utilité? En quoi la noosphère a besoin de la matière? Oui, c'est très bien. C'est très bien. Mais pour évoluer, nom d'une pipe, le monde physique évolue, mais il est très limité. Regardez, il a créé des étoiles, il a créé des planètes, il a créé des glaciers, il a créé des rivières, il a créé. Mais c'est tout. C'est pas. Alors, à côté de ça, le monde métaphysique, comment dire? Imaginez des intelligences artificielles qui sont chargées de fabriquer des fictions. Ça va délirer complètement. S'il n'y a pas une interaction avec le réel, ils vont tourner en rond, quoi. Oui. Donc le monde métaphysique livré à lui-même, c'est n'importe quoi. D'accord. La richesse, le fait de mélanger deux mondes comme ça, c'est extrêmement Il riche. faut que, il faut que le, je sais pas si l'image est bonne, mais il faut que le monde métaphysique se regarde dans un miroir pour que ça marche. Oui, il faut qu'il expérimente ses idées. Vous avez un psychisme, mais le monde physique, c'est un petit peu, regardez, dans un laboratoire, il y a les théoriciens et les expérimentateurs. Et là, actuellement, dans le monde de la physique théorique, les gens ont perdu le contact Il n'y a avec plus que des expérimentateurs et plus de théoriciens. Tout à l'heure, on parlait des dieux et du côté étriqué des croyances en certains dieux ou autres. Vous dites même, vous jetez un pavé dans la mare, dans le livre, vous dites Dieu, c'est les lois de la métaphysique. Ouais. C'est elle, l'étincelle, le déclenchement qui structure et organise tout ça. Mais oui. Et nos dieux, du coup, enfin quand je dis nos dieux, que ça soit Yahvé, que ça soit les dieux du polythéisme, du panthéon grec ou autre, à partir du moment où on ne pense plus à eux, où on les évacue de nos pensées et ils disparaissent aussi dans la noosphère, Ils se nourrissent de nos pensées. Ben oui. Et à ce moment-là, vous voyez, les gens qui réfléchissent à l'ésotérisme, ils ont un mot qui s'appelle égrégore. Un égrégore, c'est une structure métaphysique. Vous voyez, quelquefois, on parle de la galaxie des médias, la médiasphère. Cette médiasphère, on a presque l'impression qu'elle vit toute seule. Hein. Par exemple, nous faisons des fictions violentes, et puis ça nous impressionne, et on en redemande. Et finalement, il y a une espèce de feedback qui se produit. Ben là, c'est pareil, on a des égrégores. Donc ces dieux sont des égrégores. Mais très complexe, très, très structuré. Mais si nous cessons. Alors, vous voyez, il y a une chose marrante. Quand vous prenez Yahvé, vous avez remarqué,
Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice? On fait un sacrifice et puis après on brûle la bestiole et il y a la fumée. Et les dieux se Se nourrissent. nourrissent de ça. Voilà. Il faut les alimenter avec quelque chose. Bon, les intelligences artificielles, c'est pareil. Il faudra les alimenter parce que si on cesse de les alimenter, elles vont délirer complètement. Puis c'est pas tellement qu'elles vont délirer, c'est que dans ce monde des dieux, les Grecs sont formidables de ce côté-là. Chez eux, les dieux se battent entre eux. Vous remarquez? Bon, eh bien, chez nous, ça va être un peu pareil. Et à ce moment-là, quand vous avez une vieille croyance qui commence à perdre de l'aile, elle finit par être phagocytée par les autres. Et c'est ce qu'on a fait. Regardez, par exemple, dans la religion chrétienne, vous avez remarqué, les évêques, ils ont des tiares. D'où ça vient, la tiare? Eh bien, c'est les chapeaux des sacrificateurs juifs, hein. Mais ils ont aussi une chose assez marrante, les évêques, ils ont une crosse. Et vous savez ce que c'est que cette crosse? C'est le bâton qu'utilisaient les devins pour prédire l'avenir. Donc on récupère comme ça des petits bouts de machin. Les religions, c'est fait avec des morceaux comme ça. Oui. Mais, alors, le truc, c'est que vous avez la religion égyptienne. Ben, la religion égyptienne, les dieux ont cessé d'être fonctionnels. Il n'y a plus que les statues. Personne ne les prie plus, ces dieux égyptiens. On ne leur fait plus de Donc sacrifices. les Grégores autour de ces dieux, enfin la partie d'eux dans la noosphère, c'était Grégore, s'appauvrit jusqu'à disparaître. Ou alors Ben, être insignifiant. oui, ou alors ils ont une autre vie parce qu'ils sont utilisés à ce moment-là dans la sorcellerie. Ah. C'est le côté noir des choses. Oui. Je vais vous donner une phrase, vous allez me dire si elle est compatible selon vous avec ce modèle du métaphysicon. C'est une phrase qu'on entend beaucoup dans les milieux dits spirituels ou ésotériques. Cette phrase dit tout simplement que la pensée est créatrice. En quoi ça c'est compatible avec tout ce qu'on vient de voir? Quand on dit qu'elle est créatrice, elle crée quoi? C'est certain, oui, mais non, parce que c'est l'idée, c'est ma conscience qui crée le réel, si on veut, quoi. C'est un peu l'œuf et la poule, quoi. L'ordinateur n'existe pas sans le hard et sans le soft non plus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la nécessité de la matière et de l'incarnation, sinon le soft et la noosphère ne servent à rien. Voilà. C'est pour ça que le fait de négliger tout l'aspect physique, l'aspect sensuel, l'aspect vie, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas être en excès dans un sens et en excès dans l'autre. Le matérialisme, c'est lugubre. Le matérialisme physique. Regardez par exemple, qu'est-ce que font les scientifiques quand vous mourrez? Ils vous accompagnent jusqu'à la porte. Éventuellement, ils vont vous donner des analogies comme ça, vous n'ouvrirez pas. Ils vous disent, mais attendez, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ah, mais ça, c'est. C'est pas de notre sort. C'est pas notre sœur, c'est extraordinaire. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on réponde à des questions des auditeurs. On va prendre des questions si vous voulez. Il y a juste un dernier point. Très rapidement, on va et vous en parlez dans le livre, autour du spiritisme. Parce Ah que je oui. voulais qu'on montre le protocole expérimental que vous avez fait autour du spiritisme. Donc, ça, vous, c'est quelque chose que vous avez expérimenté de manière pas forcément sérieuse au début. Ah, vous étiez plus celui qui faisait bouger la goutte pour impressionner les autres, mais il y a cette expérience que vous nous relatez avec ce protocole-là. Donc, je mets la vignette où en fait vous installez le plateau, quoi, ce qui peut. Expliquer le truc. Allez, allez-y. Expert de spiritisme, hein, des gens disent, voilà, on va prendre un verre, puis on met son doigt dessus, on met ça sur une table, etc. Et moi, à chaque fois que je participais à un truc comme ça, je faisais bouger le verre et personne ne s'en apercevait. Oui. Hein. Je me rappelle un jour, oh, regardez, monsieur Petit, regardez, c'est extraordinaire. Moi, je l'envoyais n'importe où. Moi, il n'y a rien. Alors, c'est vrai que quand vous mettez un verre sur une table et que vous poussez dessus, ça arrive à bouger pas mal. Bon. Alors, il y a des gens qui m'ont raconté des histoires de spiritisme inimaginables, avec des trucs même violents. Alors, un jour, j'étais avec une de mes épouses successives, j'en ai eu pas mal. Elle me suggère de faire du spiritisme. Et moi, je dis, bon, bah, si c'est pour recommencer le coup avec un verre, j'ai pas envie. Par contre, on va faire un truc intéressant. Et là, vous avez le dessin. Alors, vous avez déjà vu un plateau IKEA pour passer les fromages? Vous avez un plateau qui est monté sur une brebis, quoi, en bois, qui fait ce diamètre-là, quoi. Alors, on avait un truc comme ça à la maison, et j'ai collé des petits cartons avec des lettres dans le désordre. A, Z, Q, etc. Donc, il y avait toutes les lettres, tous les numéros. Je crois qu'il y avait 40 signes, comme ça, avec oui, non, bon. Mais alors, après,
Ça, c'est ce qu'on appelle la tablette Ouija. Ouija, vous avez un truc qui va vers des lettres comme ça. Mais si on voit les lettres, ce n'est pas intéressant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai cachées. C'est-à-dire qu'on voit très bien sur le dessin, j'ai mis une espèce de petit morceau de canson noir, comme ça, avec un scotch, qui fait que ça couvre la lettre, mais on peut le soulever pour voir ce qu'il y a dessous. Hein, bon. Alors, ça nous a pris un certain temps à monter ce truc-là. Et après, on peut faire tourner le plateau IKEA comme une roulette de baccarat. Ouh, bon. Alors, à ce moment-là, on a pris un mobile, c'était un bouchon de Badoit. Je ne sais pas si la Badoit a un caractère métaphysique particulier, mais je dois dire que j'ai fait cette expérience avec des gens et ça n'a pas marché parce qu'il n'y a pas de médium. Pour faire quelque chose comme ça, il faut qu'il y ait un médium. Donc, alors, le médium, ce n'était pas moi, c'était ma compagne Claire. Donc, à ce moment-là, on met le doigt sur le truc et moi, je dis, esprit, tu l'as. Et avec toutes les lettres cachées, je vois le truc qui se déplace, poum, on soulève, on voit oui. Hein, on voit la lettre O, oui, bon, oui, bon. Alors, on dit bien, une chance sur 40. Bon. Alors à ce moment-là, je dis, bon, bah, donc c'est quelqu'un de décédé, est-ce que c'est un homme ou une femme? Alors on fait tourner le plateau, une chance sur 40. Et là, on voit le truc qui arrive, la lettre H. Ah, bon, c'est un homme. Bon, okay. Alors ensuite, bah, on va demander à quelle époque il vivait. Et on a 1, 3 S, 13e siècle. Alors, vous voyez, dans cette histoire-là, c'est facile de faire de la statistique. Première fois, c'est une chance sur 40. La deuxième fois, c'est une chance de 40 au carré. La troisième fois, c'est une chance de 40 au cube. Donc, dans les expériences comme ça, comme on avait 70 lettres, ça représentait 1 sur 40 à la puissance 70. Il n'y a pas autant d'atomes dans l'univers. Hein, voilà. Alors, le truc, c'est que avec ça, on obtient. Tout le protocole est décrit dans le bouquin. Donc, vous avez A3S. Bon, alors voilà, un homme qui vit au XIIIe siècle. Bon. Alors, après, j'ai demandé ce qu'il faisait. Alors, j'ai eu une réponse à en six lettres, médecin. MEDECIN, sans une faute. Bon, un médecin au XIIIe siècle. Alors, après, j'ai demandé où est-ce qu'il vivait. J'ai eu Salerno. Et Salerne était, avec Montpellier, les deux centres de la médecine au XIIIe siècle, que je ne savais pas. Bon, bah, Salerne. Voilà un type qui était médecin à Salerne. Alors j'ai demandé comment il s'appelait. Il s'appelait Guigo, Gigo. Donc le docteur Guigo vivait à Salerne au XIIIe siècle. C'était marrant, votre truc. Bon. Alors après, j'ai demandé si le docteur Guigo était une vie antérieure de l'un de nous deux. Et là, j'ai eu une réponse positive, c'était Claire en face. Donc, mon épouse Claire était docteur Guigo au XIIIe siècle. Comme elle était assez féminine, déjà le fait de se retrouver mec, c'est vrai, quand on se On réincarne, pense pas, être dans le sexe opposé, mais ça nous est tous certainement arrivé. c'est évident. Bon. Donc, docteur Guigo, moi je trouvais ça marrant. Peut-être parce que j'ai un peu tendance à rire de tout, moi. Et alors, j'ai demandé après, est-ce que j'étais aussi présent à cette époque? La réponse est oui. J'ai demandé quel était, est-ce que j'étais en contact avec le docteur Guigo? Oui. Et alors, qu'est-ce que je faisais là-dedans? FILS, j'étais le fils du docteur Guigo. Donc, autrement dit, nous étions en train de faire du spiritisme, ma femme et moi, et dans une vie intérieure, elle était un mec et moi j'étais son fils. Pas mal. Alors, après, quand on voit comment se passait la médecine, Salerne, l'école de Salerne, a joué une grande importance parce que c'est la première fois qu'on a commencé à faire un peu de la vraie médecine, c'est-à-dire à chercher à savoir comment les gens vivaient, comment ils mangeaient, vous voyez, des trucs comme ça, tout simplement. Alors que y a une médecine où on interroge les astres, enfin, vraiment, on fait tourner une casserole, là, vraiment. Et moi, j'ai demandé quelle était ma fonction, et la réponse était un mot de 10 lettres. C'est pas simulé, à chaque fois, on fait tourner le Ouais, plateau. ça rajoute, en termes de probabilité, ça devient Vous savez ce que improbable. j'étais? Vous savez ce que j'étais dans une vie antérieure? J'étais astrologue. Astrologue. Alors, c'est assez marrant parce que au XIIIe siècle, dans un centre médical comme ça, on ne vous demande pas votre numéro de sécurité sociale, on vous demande votre date de naissance. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on calcule Oui, votre. médecine et astrologie sont Voilà. intimement liées. Voilà. Alors, le truc, c'est que l'été suivant, on est allé en Italie à Salerne. Et ma femme avait une trouille terrible qu'on tombe sur la tombe du docteur Guigo. Oui, qui serait la sienne, dans une vie antérieure. Voilà. Et
Par contre, il y a un musée de la médecine. Alors, ça nous ramène tout à fait à l'époque de Drummond de la Rose, hein, parce que il y avait des livres fantastiques à l'époque, mais ces livres, ils ont été achetés par des musées. Ils sont au musée de Boston. Il y a plus que des photocopies couleur. Mais c'est exactement la scène où vous avez le personnage du Drummond de la Rose qui découvre tous ces livres extraordinaires. Voilà. L'histoire est incroyable. En tout cas, je reviens sur cette histoire de probabilité. Quelle que Voilà. soit l'intelligence qui guide la capsule de Badoit, puisque là, ça ne donne pas de réponse là-dessus, mais en tout cas, il y a bien une intelligence Mais qui... j'ai demandé, est-ce que l'un de nous deux est médium? Oui, c'était mon épouse, pas moi. Ouais. Alors, après, j'ai essayé de faire des expériences, je me rappelle, en Belgique avec trois amis. On s'est mis autour de la table, on a dit, esprit, tu l'as? Au bout de 20 minutes, on est arrivé sur la lettre K. Ça marchait pas, il n'y avait pas de médium. Alors après, je suis allé d'ailleurs dans un groupe de médiums à Marseille, parce qu'ils voulaient voir mon espèce de plateau. Et à ce moment-là, la chef médium a demandé si quelqu'un voulait essayer. Alors à ce moment-là, la personne arrive, et puis elle s'approche du plateau, et le plateau se met à tourner tout seul. Moi, j'étais là en train de dire, mais putain, qu'est-ce qui se passe? Pour eux, c'est normal, quoi. D'accord. Ah ouais, incroyable. Bon, en tout cas, Oui. le protocole est drôlement futé parce que pour avoir Oui. accueilli des équipes d'enquêteurs paranormaux sur l'antenne, on a souvent discuté des protocoles autour de la planche Ouija, etc., pour voir si il s'agissait de réflexes idéomoteurs. Suggéré par l'inconscient ou autre, mais là, rajouter la plaque tournante avec des lettres cachées. Mais écoutez, un truc comme ça, il y a le plateau Ikea, mais imaginez un jeu de société comme ça, avec les lettres et les petits machins qui soulèvent. Ça aurait un succès fou, un truc pareil. Hein? La planche Ouija de du troisième millénaire. Ah oui, mais la planche Ouija avec un protocole réel, quoi, nom de Dieu. Parce que franchement, pour savoir ce qu'il y a sous ces cartons, c'est pas possible. Faites tourner ça à toute vitesse, parce qu'à chaque fois qu'on faisait tourner, on le faisait tourner de façon qu'on était absolument incapable de mémoriser où se trouvait la lettre en Ah, bien question. sûr, bah oui. Putain. Donc, petit appel aux copains de Spirit Experience, de RIP, de The Believers, de nos amis du GREP, tous les copains qui font de la recherche en paranormal. Voilà, vous avez un protocole, c'est cadeau, à tester absolument. On va passer aux questions, si vous voulez bien, Jean-Pierre, et finir cette émission avec des questions des Nuréens. Une question de Damien qui vous demande quelle est votre interprétation des deux notions difficiles que sont l'âme et l'esprit? Est-ce qu'elles ont une place dans votre vision du monde? Y a-t-il une différence entre ces deux notions? Moi, c'est difficile, je vois pas très bien pourquoi on fait une différence. Hein. Je sais pas. Disons que on a une structure métaphysique qui nous pilote, quoi, c'est tout. Mais vous savez, il y a un truc marrant, c'est que qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Ben, je sais pas, quand on pense à ses vies antérieures, j'ai l'impression qu'on a un peu d'autres nous-mêmes. D'ailleurs, lorsqu'on a accès à des esprits, qu'on a l'impression que des gens nous parlent ou nous guident, c'est peut-être nous-mêmes, c'est peut-être d'autres nous-mêmes. On a une sorte de. Il y a une médium qui s'appelle Jane Roberts, qui a fait un bouquin qui s'appelle Le Livre de Seth. C'est très intéressant à lire, un truc comme ça. Et c'est vraiment cette espèce de structure d'âme multidimensionnelle. Et ça, c'est la composante essentielle. Donc, il y a un truc, c'est que quand on prend une vie, c'est comme un type qui fait du footing, et à côté, il y a un autobus avec toutes ses vies antérieures. Il y en a un qui dit, oh là là, il est en train de refaire la même connerie que j'ai fait il y a 350 ans. Vous voyez? Ah, et donc, on est en interaction avec nos vies antérieures. Moi, je sais que j'ai des vies très curieuses. Hein, vraiment, j'ai joué un peu un rôle à une époque de prêtre scientifique dans une catastrophe. Et moi, j'ai l'impression, je me dis, ça y est, ça recommence. Les gens sont en train de dire, sauvez-nous. Alors, en ce moment, je me fous pas mal des récompenses scientifiques. Je vois que la planète va vachement mal, que ça déraille complètement, et il faut absolument que les gens prennent conscience de tout ça. Hein. Et moi, c'est le métaphyson est une brique là-dedans. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a filé cette idée au téléphone, hein, mais ça revient à ça. Vous savez, il y a un truc, c'est que dans les années 80, j'ai commencé à avoir des contacts.
comment dire, avec des courriers. Et des courriers postaux qui m'arrivaient quand moi je mettais les questions sur mon ordinateur. J'avais un Mac avec un disque dur, et là-dedans il y avait un petit fichier Word dans lequel je mettais mes réflexions, quoi. J'aurais déjà raconté cette histoire-là. Non, Donc. pas le coup du fichier auquel les réponses étaient faites par courrier. Je suis curieux là. Là, vous avez piqué ma curiosité. Vous savez, ça commence avec la lettre de Riyad. C'est-à-dire que je suis interpellé par les problèmes de logique tétravalente et je mets mes réflexions là-dedans. Et effectivement, l'idée qu'une logique soit basée non pas sur les nombres entiers, mais sur les entiers de Gauss, c'est-à-dire les entiers complexes, hein, moi, ça me paraissait un point qui pouvait déboucher sur cette logique à quatre états. Et une semaine après, je reçois une lettre d'Arabie Saoudite disant « Vous avez mis dans le mille. OK. » Hein? Et alors, après, pendant des années, c'est esquissé un dialogue. J'émettais mon message en tapant ça sur mon ordinateur, mais ça partait nulle part. Il n'y avait pas d'Internet Oui, et les gens. c'était dans votre disque dur. Voilà. Donc, il y avait un moyen de contrôler le mouvement de mes touches, un truc comme ça. Et à un moment, je reçois un grand baratin du genre. Notre prise de contact avec la Terre maintenant commence à voir un peu de quoi il retourne et on va pouvoir envisager un contact et tout ça. Et moi j'ai dit, mais vous rigolez, la planète Terre est incapable d'avaler un truc pareil. C'est là que j'ai suggéré la chose suivante, j'ai dit, écoutez, moi j'ai proposé de jouer le rôle d'un virus. Vous voyez ce que c'est qu'un virus? Un virus, c'est quelque chose qui pénètre à l'intérieur d'une bactérie pour fabriquer des clones. Hein, bon. Moi, je suis une sorte d'hybride actuellement. Ma pensée, c'est 50% terrestre et 50% extraterrestre, avec les idées que j'ai absorbées là-dedans. Je ne pense plus comme la moyenne des gens, quoi. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de fournir aux scientifiques des informations pour qu'ils les diffusent et qu'ils provoquent la prise de conscience à l'intérieur de la communauté scientifique. Okay? Donc, c'est ce qui se passe. Simplement, je m'aperçois que ce n'est pas la communauté scientifique qui va réagir, c'est les gens qui sont un peu ouverts à la science, qui sont beaucoup moins bouchés. Parce que faire bouger un luminet, ce n'est pas la peine, quoi. Justement, il y avait une autre question de Francis qui vous demandait quelle définition donnez-vous à la science, sachant que vous êtes ostracisé par des scientifiques qui sont censés représenter la science rigoureuse et officielle? Mais la science rigoureuse. Moi, j'aimais bien les discussions avec Suriot là-dedans, parce qu'il avait une vision tout à fait relativiste de la science, justement. Par exemple, les connaissances scientifiques, c'est l'ensemble des choses auxquelles tout le monde, sur lesquelles tout le monde s'est mis d'accord, quoi. Il y a une époque où les gens disaient c'est impossible que la Terre bouge, parce que si elle bougeait, elle serait soumise à une force, et elle foutrait le camp, et on resterait comme des cons. Parce que Aristote avait montré que les corps massifs étaient plus sensibles aux forces que les corps légers. Donc si la Terre bouge, c'est qu'elle est dans un champ de force, elle va faire ça et on va rester en l'air. Donc ça, c'est, voilà. Vous avez même quand Tycho Brahe dit à Kepler, moi je doute de cette histoire de mouvement de la Terre, parce que si ça bougeait, on verrait les étoiles bouger à cause du parallaxe. Il y aura une déformation. Or, si la Terre, mettons, il disait, supposons que les étoiles soient à 1 million de lieues. Hein, ben à ce moment-là, les étoiles qui brillent le plus, elles seront plus près, donc ça bougerait, ça bouge pas. Simplement, il se trompait d'un facteur 10 000 sur la distance. Donc, on a à une certaine époque des croyances comme ça, hein, et avec ça, on fabrique une interprétation du réel. On se dit, c'est pas possible. Vous comprenez? Donc c'est ça, la science, c'est un ensemble de croyances. Ah, c'est la phrase que j'ai faite, la science est un système organisé de croyances. Voilà, vous avez votre réponse. Ouais, Ah, ça, ça je crois, c'est veut... clair. C'est clair. C'est parfaitement clair. Autre question? Une autre question, il y a plusieurs interrogations qui étaient venues. Là, on sort un peu de la science, mais on reste sur nos fameux humites. Vous parliez des échanges téléphoniques, toutes les infos scientifiques. On sait que les humites, il y a aussi tout un versant sociétal, voire même beaucoup plus, hein. C'est très large comme corpus, ce que nous transmettent les humites, mais on sait qu'ils prédisent des échéances assez néfastes en termes d'organisation sociétale dans les semaines, mois à venir. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, des infos? Est-ce que vous avez envie d'en parler? Ben, c'est complètement indécidable un truc pareil. Hein. Je dirais qu'on saura si c'est vrai quand, si ça se produit, parce que c'est vrai que les échéances sont très proches. Vous voyez, vous avez entendu cet Israélien là, il y a quelques jours simplement. Oui, là.
Haïm Ehud, qui a déclaré que les Américains étaient en contact avec les extraterrestres, et que les extraterrestres avaient une base sur la Lune, une base souterraine, etc. On lui raconte des trucs comme ça. Ça a fait un buzz planétaire. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'ont fait les journalistes? Eh bien, ils ont demandé à ce type-là s'ils peuvent l'interviewer. Bon, il n'a peut-être pas de billes derrière tout ça. Mais, justement, j'ai fait un article qui va sortir dans Nexus au mois de février. Oui, il y a un gros article qui sera dans Nexus. Ouais. J'ai raconté une histoire que j'ai vécue. Enfin, que j'ai vécue. J'ai été à un colloque à Brême en 2003, je crois que c'est ça. Et j'ai rencontré là un type qui est mort depuis, qui s'appelait Paul Sis, qui était une figure hypersonique américain, qui a travaillé dans les black programs, les trucs classifiés à fond. Alors quand j'arrive là-bas, à l'époque je suis allé là-bas avec mon fauteuil roulant, parce que j'avais une sacrée rechute, c'est Jeffrey qui me poussait. Donc je viens vers Paul VI le premier jour, et je lui dis, je m'appelle Jean-Pierre Petit, est-ce qu'on pourrait par exemple se voir? Il m'a dit, oh, oui, je vous connais très bien. Il me connaissait parfaitement. Dans les programmes noirs, je suis assez connu, moi. Bon. Et je lui dis, est-ce qu'on pourrait dîner ensemble? Il dit, pas de problème. Et on se retrouve à dîner avec Paul VI le soir. Et on était quatre, il y avait Geoffrey, moi, Paul VI et un Italien. Et à ce moment-là, ils y sont allés de leur confidence. Alors le truc, c'est qu'on avait emmené du matériel pour interpréter, pour enregistrer, et Geoffrey était tellement médusé qu'il a oublié de mettre le truc en marche. Terrible. Il était beaucoup plus jeune à l'époque, mais bon, il avait loupé le coche complètement. Parce que j'aurais dit, mais il enregistré, et Paul VI nous raconte, il dit, j'avais un ami général, et pendant des années, il a fourni du matériel à des types, il se demandait vraiment ce qu'ils en faisaient, truc assez compliqué, quoi. Et à un moment, il leur a dit, mais vous en faites quoi? Mais écoutez, ça fait pas mal d'années qu'on vous connaît, on a confiance en vous, on va convoyer ce matériel, venez avec nous. Et le général se met dans le convoi, et le convoi part de la côte ouest américaine, remonte complètement en Alaska, arrive à un endroit où il franchit des checkpoints à n'en plus finir, et ça se termine par une descente en spirale, en bagnole et en camion, dans un truc en profondeur, jusqu'à N niveau, et ils arrivent dans une salle avec des soucoupes. Voilà. Alors, moi je ne crois pas que Paul VI me raconte des salades, et lui, il pense que ce type-là disait la vérité. Donc, vous voyez, le truc, c'est que, est-ce qu'il y a un état profond scientifique, hein? Par exemple, j'ai écrit un bouquin en 2003 qui est OVNI, arme secrète américaine. Bon, est-ce que Aurora, ça existe? Les Américains sont-ils en retard ou en avance? Est-ce qu'il n'y a pas deux Amériques? Vraiment, on peut se poser la question. Parce que, vous voyez, ce qui ressort de cette approche du sujet OVNI, c'est que, prenez par exemple un président, il dit, j'aimerais avoir accès à... Non, non, je m'excuse. Vous avez vu ce que dit le vice-président de Poutine, là, à un moment quand il dit... Oui, c'est Medvedev qui s'est exprimé plus ou moins en antenne et qui reconnaît l'existence d'extraterrestres. Oui, mais oui, il semble... Moi, je pense qu'il y a une réalité. Qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien. C'est ahurissant, quoi. Ce que je pense, c'est que Macron n'est pas dans le coup, quoi, c'est ça, probablement. Ça m'étonnerait. Il est trop con. voilà qui est dit. Non, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas se rentrer dans le monde. Voilà, mais vous voyez, ce que dit cet Israélien, alors, il a 83 ans, il n'a pas 87, mais 83. Et son successeur, qui s'appelle Ben Israël, qui a repris la direction de l'activité spatiale israélienne, qui est quand même un gros truc, ils ont envoyé une dizaine de satellites dans l'espace, et c'est Haïm Eshed qui est entièrement auteur de tout ça. Et Ben Israël a dit, je vous rassure tout de suite, il a toute sa tête. Oui, c'est pas un farfelu. Ah non, non, voilà. Mais il dit, il a toujours été Saint-Jean Bouche d'Or, hein. Il a toujours parlé de ça. Et ce que dit Ben Israël, quand même extraordinaire, il dit, dire que nous sommes visités par les extraterrestres, c'est une hypothèse qui est scientifiquement acceptable. Je ne la rejette pas. Hein. Ensuite, il a dit qu'il y ait une confédération galactique, pourquoi pas? Maintenant, la troisième chose qu'il dit, c'est que nous faisons des écoutes, et nous écoutons, et on n'entend rien. Mais on pourrait dire, s'il y a une communication, l'onde radio, ça va beaucoup trop lentement. Regardez,
les communications humaines, quand des extraterrestres viennent sur Terre. Bon, évidemment, s'ils se contentent d'envoyer un courrier et que c'est envoyé par une machine, il y a 3 mois de voyage. Oui, ça va assez vite, même s'il y a 15 années-lumière. Mais est-ce qu'il y a une communication radioélectrique? Non, c'est idiot. C'est comme d'envoyer des bouteilles à la mer à Brest en espérant que ça va arriver à New York, quoi. Je veux dire que moi, j'avais une image en disant on parle des Américains, c'est pas vrai. Nous avons cherché à observer des signaux de fumée, on n'a rien vu. Ben oui. Mais, oui. Oui, c'est Donc, le même principe. est-ce que les gens perdraient leur temps à utiliser les ondes électromagnétiques? Sans blague. À chaque fois, vous voyez, système organisé de croyance, on analyse un truc avec ce qu'on connaît. D'accord. OK. Merci pour cette réponse. Les Alors, derniers points qu'on va voir pour ce soir, Jean-Pierre. Le premier, juste, je voulais préciser, parce que ce soir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas pu faire le tour de tout le livre, et c'est normal, une émission, on ne peut pas faire tout ça. Là-dedans, vous allez retrouver un modèle aussi pour comprendre le principe de toute la tradition. Toute la tradition indienne, les chakras, on a vu le karma, le prana, tout ça c'est expliqué. Il y a aussi tout le domaine des rêves, le domaine onirique. Là il y a des explications, mais c'est détonnant. Ça va vous mettre sur le cul, donc est-ce j'essaie qu'on est pas dans le rêve? Est-ce qu'on est dans de... Ouais, sur les rêves, c'est absolument. Moi j'ai fait boum, d'accord. le rêve? Tout à l'heure il y en a un qui parlait d'aller voir son psy, moi j'ai pris un grand verre d'eau, c'était déjà pas mal. J'essaie pas de. Vous avez jamais fait de sortie hors corps? Non, mais par contre, j'ai eu des choses très étranges en rêve, beaucoup. Et du coup, ça m'a parlé et ça m'a éclairé sur pas mal de choses. Donc, et la sortie de corps, ben, j'espère, hein, pouvoir expérimenter. C'est marrant comme tout. Ben, je n'en doute pas. Ce Bon, que ben voilà. je voulais vous demander, Jean-Pierre, je ne sais pas si vous l'avez l'objet à portée de main. Ah La ouais, couverture jamais. du livre, c'est cet objet-là, un monoèdre. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit de l'univers d'un point de vue géométrique, cet objet? Alors, je veux bien vous faire rigoler. Geoffrey a perdu son boulot, donc il était vraiment dans la menace au point de vue financier et il s'est mis à fabriquer des monoèdres avec une imprimante 3D. Maintenant, il arrive à en vivre, c'est-à-dire qu'il a plein de commandes. Et vous savez qu'est-ce qui commande les monoèdres? Ce sont les guérisseurs. Parce que voilà un objet, il paraît que ça vous redresse les chakras, comme qui rigole, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est très bon pour les chakras. Justement, les guérisseurs se sont posé la question, parce que vous voyez que le monoèdre, ça c'est un monoèdre, on peut l'appeler droit ou gauche, mais il n'est pas identique à son image dans un miroir. Donc, les guérisseurs ayant fait des essais avec ce monoèdre, se sont demandé si le monoèdre en miroir était bon ou pas. Et peut-être que c'est pas bon, au contraire. Alors, qu'est-ce que c'est? Bien, vous voyez, c'est l'image géométrique de cet univers à quatre faces. Hein, vous avez les masses positives, les masses négatives et les masses. Et c'est l'idée que lorsque l'univers émerge, les quatre matières sont différenciées. C'est le hasard qui va faire que telle masse, eh ben, elles vont jouer le rôle du réel, les autres vont jouer le rôle de l'imaginaire. D'ailleurs, il y a un truc, c'est que quand on parle de. Vous vous rendez compte, ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir appelé ça imaginaire. Vous savez, qu'est-ce qui a inventé le nombre imaginaire, racine de moins 1? Eh bien, c'est M. Cardano, l'inventeur du joint cardan. Je crois que ça doit être au XIVe siècle. Et il a failli mal finir, ce pauvre Cardan, parce qu'à un moment, il a eu une idée. Il a calculé l'horoscope du Christ. Ça, c'est un truc à finir. Il a été obligé de. Ah, c'est ce genre de truc qui vaut pas trop s'en vanter publiquement. Franchement, et même maintenant. Voilà. Bon, mais écoutez, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Mais vous voyez, le métaphysicon, c'est un chantier, nom de Dieu. Vous allez lire ce truc-là, vous allez vous dire. Ça m'est arrivé un truc comme ça. C'est pas possible que vos téléspectateurs n'aient pas eu une expérience quelconque un peu singulière, quoi. Hein, et ça dresse un peu l'éventail de toutes ces expériences singulières, les vies antérieures, les sorties hors corps, les prémonitions, la télépathie, etc. Enfin, il y a des histoires complètement incroyables. Ça nous donne la boîte à outils complète Voilà. pour repenser tout ça. Voilà. Avant de se quitter, il y a deux dessins que je voudrais partager. Le premier, c'est cette couverture de Anselme Lanturlu. Elle date de 1968. Et si on la partage, c'est parce qu'elle est ou elle va très bientôt
Être en ligne sur Savoir sans frontières. Être en ligne sur Savoir sans frontières, c'est une petite BD où je raconte mes démêlés dans le labo, c'est assez rigolo. Et vous voyez que Lanturlu s'écrit avec LE. C'est comme ça que je l'avais écrit à l'époque. Voilà. Et d'où vient ce nom de Lanturlu? Ben, c'était un personnage que j'avais inventé pour raconter des histoires à mon fils quand il était gamin, quoi. Voilà. Donc, les aventures dans Lanturlu, c'est rigolo. Voilà, à dévorer sur le site de Savoir sans frontières. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai mis sous la vidéo, je rajouterai le lien, les amis. Et puis la dernière, bah, c'est l'image sur laquelle on va se quitter. Je ne sais pas si elle mérite d'être commentée. Je l'affiche plein écran et c'est à vous de voir, Jean-Pierre, si on la commente ou pas, si vous la commentez. Dis bien ce qu'elle a à dire, quoi. Bon, alors je l'affiche et je vous laisse lire, les amis. Ok, ben voilà. Ben chaque année, je fais une petite carte postale comme ça pour la. Et là, je me suis demandé quoi mettre, quoi. Et je pense que ce dont les gens ont besoin, c'est pas de jouets, ils ont besoin de tout ça, quoi. Vous savez, franchement, moi, je garde foi dans l'humain. Vous voyez, il y a des connards, il y en a plein. Franchement, quand on voit ces gens qui nous manipulent dans le gouvernement, comment on veut utiliser l'épidémie du Covid pour instaurer presque une dictature, vous voyez, on est contre ce passeport et tout ça. Ouais, oui, ça fait froid dans le dos. Puis quand moi, je repense à la façon dont on a contré les manifestations des Gilets jaunes, c'est monstrueux. Macron est un criminel, vraiment. Et Castaner et tout, c'est effrayant, effrayant. Je sais pas où on va, mais les troubles sont toujours possibles. Mais il y a quand même un ressort dans l'humain. Je sais, je vous dis la chose suivante. Quand j'étais au milieu de ces gilets jaunes, il y avait des crétins, bien sûr, mais il y avait des braves gens. Il y avait des gens qui avaient la générosité, qui avaient la sympathie. Et quand ils se retrouvaient sur ces ronds-points, il y avait de la chaleur humaine. L'humanité est capable de produire ça. Maintenant, elle est capable de produire de sinistres imbéciles. Et quand vous regardez votre télé, il y en a partout, ces gens-là. Et Macron est un pantin, est une marionnette. Il n'a aucun affect, rien. Il est extraordinaire. Il est haï par des millions de personnes et il s'en fout, il dort comme un bébé. Franchement, il faut lui tirer son chapeau. C'est un comédien, c'est tout. Mais je pense qu'il s'imagine que le monde est un théâtre, c'est tout. Il avait fait beaucoup de cours de théâtre. C'est sa femme qui lui avait servi de mentor. Mais là, je pense que, vous savez, c'est comme les gens, les militaires qui voient dans les guerres des chiffres, quoi, avec le nombre de morts, les trucs comme ça. Bon, là, les événements, ils ne voient pas vraiment, quoi. Il faudrait l'amener dans un hôpital pour qu'il voie une blessure qui a été faite. Ces gens, ils ne vont pas avoir ces choses-là. Ouais, mais je sais que les blessés de tout le mouvement Gilets jaunes vous ont marqué, tout comme elles m'ont marqué. J'ai mis leur dans une vidéo pour qu'on voit, pour que ça reste. Vous avez vu ces yeux crevés, vous avez vu C'était. ces chairs massacrées, c'est monstrueux. C'est une vraie boucherie et un déni de démocratie absolu. On a même fait peur aux gens pour qu'ils oublient la démocratie avec tout ça. Savez, moi j'ai quand même 83 ans, il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu des manifestations, on n'a jamais connu des choses comme ça. Jamais. C'est C'est important pas. de ne pas l'oublier. Ah non. Et bon, mais là, on peut se passer de ça si les braves gens prennent le pouvoir. Hein. Mais vous voyez, prendre le pouvoir, ça ne consiste pas à essayer de plaquer des modèles. Moi, quand j'étais dans ces réunions de gilets jaunes, là, il y a un an, je revoyais mes 68. Il y avait les gens qui s'écoutaient parler, il y avait le syndicaliste qui était complètement replié sur les petites revendications de ceci, de cela, puis il y avait le gauchiste, il y avait le type qui disait « Ouais, il faut foutre le feu aux banques, mais bravo, hein, c'est tout. » Alors on a les black blocs, hein, c'est merveilleux, ils sont là. Et puis il y a un truc qu'on remarque d'ailleurs, il y a des types qui disent « C'est curieux, ces black blocs, ils sont bien habillés, quand ils se font arrêter, on s'aperçoit qu'ils ont des vêtements de prix, que c'est des fils de bourgeois. » Oui, mais on avait ça aussi en 68. Alors je me rappelle, moi je voyais ça mal partir, quoi. Puis à un moment, j'ai dit à une femme que elle me dit, mais non, mais c'est pas du tout pareil. Je dis, oui, c'est pire. C'est potentiellement pire. Parce que mai 68, on a vu comment ça s'est passé. Regardez Cohn-Bendit, regardez ce qu'il est devenu, ce type-là. Je vais mettre Joker, je préfère pas en parler, je serai désagréable. Ils étaient deux, il y avait Sauvageot qui était représentant d'un syndicat étudiant, tous pantouflés, tous ces gens-là, ils se sont trouvés des places formidables, députés, merveilleux, écologistes, copains de Macron. Mais c'est à pourrir, c'est à vomir, à vomir. On Voilà. reste quand même optimiste pour l'année à venir ou pas? Il y a une potentialité, vous avez tout en main, vous les braves gens, écoutez-moi, réveillez-vous, c'est vous qui devez changer le monde. N'attendez pas que nos élites le fassent, c'est des cons. Voilà.
N'attendez pas que nos scientifiques vous apportent quelque chose. C'est des cons. Hein, j'ai tout dit. Voilà, tout est dit. Jean-Pierre, un immense merci pour cette nouvelle émission. C'était vraiment très très plaisant de vous avoir à nouveau. Vraiment, merci beaucoup. Ouais. Allez, salut tout le monde. Lénuréen, merci à vous aussi. Vous étiez vraiment, mais vraiment très 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 nombreux ce soir. Merci à l'équipe de modération qui était sur le chat pour que tout se passe pour le mieux. Je vous dis un grand merci. Passez une bonne fin de soirée. On se retrouve. Oui, Jean-Pierre, dites-moi. J'ai un petit bonjour à Jean-Claude Bourret parce que je sais qu'il a regardé l'émission. Eh ben, nous saluons Jean-Claude Bourret très chaleureusement également. Merci Jean-Pierre. Oui, juste pour vous dire qu'on se retrouve, il y aura un dernier direct cette année, ça sera mardi prochain à 20h30, Nora et moi on prendra l'antenne tout seul, sans invité. Pourquoi? Pour répondre à toutes les questions que vous souhaitez nous poser. Vous le savez, toute l'année, on reçoit des invités, on leur laisse la parole et c'est la moindre des choses quand on invite des gens. Donc si vous avez des questions à nous poser à nous, eh ben, ça sera mardi prochain en direct à 20h30 sur Nuria TV. Il faut que je note ça, moi. Mardi 20, mardi. Mardi prochain, Jean-Pierre. C'est le 29, 29 décembre, alors, c'est ça? Oui, mardi 29. Bon, alors, vous voulez qu'on se branche mardi 29, pourquoi pas? Parce que c'est important de répondre aux questions, parce que, vous voyez, ce bouquin-là, on avait prévu de faire un plan, de voir tout ça. Bon, ça part un peu dans tous les sens, c'est normal, hein? Mais. Donc vous êtes partant pour nous rejoindre et répondre aux questions à mardi prochain. Les gens qui ont lu le bouquin, c'est intéressant. Ben oui. Ok, donc on fera ça en deux parties si vous voulez la soirée et avec grand plaisir on vous accueille à nouveau. Avec grand grand plaisir. On verra, ça sera la surprise pour vous les Nuréens. Hein. Moi sur ce, ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée Jean-Pierre. Les Nuréens pareil, bonne fin de soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas ce que Jean-Pierre a dit en fin d'émission. C'est à vous les braves gens de prendre les choses en main. Et puis ben, n'oubliez pas au passage, on garde les pieds sur terre et la tête Vous dans n'avez le... pas seulement, vous n'avez pas seulement un pouvoir physique et politique, vous avez la tête, vous avez des choses là-dedans. Tout est dit, j'en rajoute pas. À très bientôt, les Nuréens. Ciao. C'est vrai.